Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'histoire d'un virus qui avance de plus en plus masqué, alors même que beaucoup de personnes ont tombé le masque par indifférence ou par accoutumance. Le Covid-19, nouveau maître du temps, dicte sa loi. Personne n'est à l'abri de ce virus aussi variant que déroutant et virulent. Le Cameroun reçoit cette deuxième vague de plein fouet, déjà 56 156 cas et 838 morts. Ce soir, il devient urgentissime d'agir tous ensemble pour casser cette spirale anxiogène. Que voulons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est presque des questions de vie ou de mort. Au cœur de cette émission avec un panel d'experts multisectoriels. Mais avant, je vous propose de revisiter les mois de février et de mars au Cameroun. Deux mois d'un stupéfiant rebond du Covid-19 dans notre pays. C'est un document de Martin Luendeng. Les chiffres donnent la fièvre. 838 décès, dont 103 pour la seule période du 4 au 17 mars 2021. Le nombre des cas confirmés explose. 56 156 au 31 mars. La vague de contagion est virale. Elle fait des ravages. Le centre de prise en charge, annexe numéro 2 de l'hôpital central de Yaoundé, plus connu sous le nom d'ancien Orca, continue de faire le plein. 147 patients hospitalisés en ce moment. 55 d'entre eux sont sous oxygène pour une capacité d'accueil de 281 lits. La pandémie avance, mais certains Camerounais ne reculent pas. Ils foulent aux pieds les mesures barrières. Ils vivent dans une quiétude qui surprend. L'insouciance reste telle que dans certains quartiers animés de la cité capitale, le Covid-19 semble être une vue de l'esprit, surtout lorsque tombe la nuit et que se lèvent les seigneurs de la nuit. Nous sommes ici dans un lieu de plaisance choisi au PIF, au quartier Mélène, lieu dit mini-ferme. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, quelques amis, certainement des collègues qui se partagent une bière après une journée de boulot. Et vous l'avez certainement constaté, pas de port de masque ici. Comme pour dire que malgré le rebond de la maladie, malgré les messages de sensibilisation qui sont diffusés, beaucoup de Camerounais n'ont pas encore pris la conscience de que la situation est grave. Alors nous n'allons pas cesser à chaque fois de rappeler ce qu'il faut faire pour éviter d'attraper ce vilain virus. Pour ceux qui suivent l'actualité au quotidien, les cas de décès ne font qu'augmenter, les cas de personnes contaminées également. Alors, seule chose pour éviter d'attraper le coronavirus, le respect des mesures barrières. Cela passe par le port du masque obligatoire dans les lieux publics comme celui-ci, mais aussi le respect de la distance sociale. Le lever du jour arrive comme une prise de conscience. La peur de la police ou alors le matraquage des messages de sensibilisation. Le soleil de la peur ne brille pas encore pour tout le monde, mais beaucoup de Camerounais sont de plus en plus soucieux de leur santé et de celle de leur entourage. Ces citoyens comprennent que le Covid-19 est une réalité. Que ce soit clair pour tout le monde, l'heure est grave. Seul le respect scrupuleux des mesures barrières protège contre le virus. Port du masque, respect de la distance sociale, lavage régulier des mains à l'eau coulante et au savon, des gestes quotidiens qui n'ont l'air de rien, mais qui sauvent désormais des vies, des familles, des communautés. Professeur Eugène Sogbui, bonsoir. Bonsoir Aimé Robert. Les chiffres donnent la fièvre. Je voudrais vous demander comment est-on passé en moins de 3 mois, de moins de 30 000 cas à plus de 56 000 cas, quasiment le double. Pareil, le nombre de décès,
quasiment le double, en 3 mois seulement. Est-ce que nous sommes en train d'assister à une deuxième vague qui nous submerge et face à laquelle nous sommes impuissants? L'heure est grave. L'heure est grave parce que en une semaine, nous faisons autant de cas, de nouveaux cas confirmés, qu'on en faisait au cours de la première vague en un mois. Il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de se dire, ça ne peut pas continuer ainsi. Ça ne peut pas continuer ainsi. Plus de 6000 cas en une semaine, plus de 100 décès en une semaine, on ne peut pas rester indifférent. Et si j'ai accepté de venir sur votre plateau ce soir, c'est pour dire essentiellement cela. On ne peut pas continuer de rester indifférent. Est-ce qu'on va être submergé? Nous avons le devoir de ne pas être submergé parce que nous avons le pouvoir d'agir pour ne pas être submergé, chacun individuellement et nous comme communauté. On va revenir sur cette capacité et cet impératif d'agir comme communauté tout au long de cette émission. Mais je voulais vous interroger une fois de plus sur ce que l'on sait de ce variant qui circule en ce moment, que l'on dit plus contagieux, plus virulent, à plus de 70%, mais aussi plus sournois, au point où parfois ça va très vite entre les premiers symptômes et parfois l'irréparable. Alors, il y a manifestement plusieurs variants qui sont en circulation. Et comme dans toute épidémie de maladie virale, le virus va, au fil des mois, changer un tout petit peu. On va parler de mutation pour échapper à la fois aux défenses de l'organisme et aux stratégies qui ont été mises en place. Ça donne des variants. Mais les variants, effectivement, vont donner des tableaux qui ne seront plus forcément les mêmes. Au tout début, c'était principalement les symptômes respiratoires. Maintenant, il y a un peu de tout. Dès qu'on ne s'est pas levé le matin comme la veille, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il ne s'agit pas d'une contamination. Mais c'est aussi le lieu de dire que cette variation, ces changements de présentation clinique doivent interpeller, excusez-moi, les Google Doctors. On ne peut plus, et ça je le redirai encore au cours de cette émission, on ne peut plus considérer que l'on est dans une situation où il s'agit de soigner une maladie. Il s'agit de soigner des gens. Il s'agit de soigner des vrais gens, de prendre en charge des personnes qui souffrent, qui peuvent mourir d'une association de plusieurs situations dont ils peuvent souffrir et sur lesquelles l'arrivée du virus vient simplement fragiliser davantage ou mettre à jour des choses particulières. Ce qui veut dire que nous le disons maintenant et nous le redirons avec gravité, il faut qu'on arrête de penser que l'on sait ce qui tue le virus et donc ce qui va éliminer la maladie. Non, des gens souffrent. Alors, en face de vous, le directeur général du LANACOM, Dr Rose Ngonon. Alors, je voudrais vous Bonsoir, madame le directeur général. Bonsoir, Robert. Je voulais vous interroger justement sur l'attitude de certains sujets qui développent une forme de déni. Lorsqu'ils ressentent les premiers symptômes, ils s'obstinent à dire que c'est le paludisme. Ils traînent des pieds avant d'aller faire le test, de passer un test de Covid dans une espèce de déni. Ben, Aimé Robert, si je peux me permettre vraiment de donner un avis là-dessus. Vous savez que nous sommes un pays où l'automédication a pris de l'ampleur. Et lorsque les gens ont une fièvre, quelqu'un vous dit « je suis en train de prendre des perfusions au téléphone ». Il vous dit « je m'en vais prendre des perfusions ». Et je crois que c'est cette attitude qui aujourd'hui, justement, nous endort nos communautés, parce que lorsque on se retrouve avec un début de grippe ou une sensation de paludisme, même si on a décidé d'aller prendre ces 8 perfusions, comme on aime le faire, je ne suis même pas sûre que c'est tout à fait conforme au protocole, mais c'est nos habitudes que nous aimons bien, on doit s'assurer toujours de faire un test. Et c'est ça que nous voulons dire, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui, pour dire que nous devons d'abord penser à faire un test et à se mettre à la disposition des services de santé et de toutes les structures qui ont été mises en place par le ministère de la Santé.
pour encadrer cette épidémie. Et je voudrais accueillir le professeur Amand Leka. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Rémi Robert. Je voudrais vous proposer de jeter un regard sur notre société, parce que précisément, pendant que certains semblent tétanisés par la peur, d'autres jouent les bravages, défient cette pandémie et poursuivent leur vie sociale comme si de rien n'était. On le voit chaque week-end dans les obsèques, les mariages, ce qu'on appelle communément troisième mi-temps du D0, et j'en oublie. Alors, pourquoi tenons-nous tant à cette vie sociale au détriment de nos vies? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui est observé dans la plupart des grandes urgences, les urgences sanitaires, le cas des pandémies, parfois sur lesquelles on n'a pas une information suffisante, parfois sur lesquelles on n'a pas toujours la conscience immédiate et complète des dangers, des risques que l'on court. Et la pandémie à Covid-19 est encore davantage spécifique, parce qu'il s'agit bien d'une pandémie virale. C'est-à-dire que c'est davantage encore, disons, une maladie du comportement et de l'interaction sociale. Et toute la vie sociale est organisée autour des transactions, autour d'un lien social qui, historiquement et de façon intime, se construit sur les rapports sociaux vraiment physiques, sur les transactions sociales immédiates, physiques. C'est-à-dire que, en fait, le corps social respire tout comme le corps humain respire. Et ces moments où le corps social se coagule à l'occasion soit des fêtes, soit des rituels d'enterrement, de deuil autour d'un enfant qui est né, le voir bébé, il suffit de voir ces différents trois moments importants, une naissance, le nombre de voir bébé qu'il y a, tout ça s'est tissé. Et comme on le sait, même si effectivement c'est un casse-tête pour les médecins, c'est un casse-tête pour les politiques qui prescrivent des comportements, c'est un casse-tête pour nous tous, les penseurs, il se trouve qu'il est très difficile parfois de changer du jour au lendemain des comportements qui se sont durablement construits. Et donc, comme disait l'autre, on ne change pas une société par décret. Il y a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens, pour mettre en exergue la conscience du danger. Et dans le contexte du Cameroun, on a bien observé que tout ça, cette pandémie grippale est arrivée dans un contexte où la plupart de nos compatriotes, je ne sais pas si c'est spécifique au Cameroun, vivent dans une sorte de culture sociale de l'insouciance et de l'indiscipline, et associée au fait que parfois les prescriptions publiques ne sont pas accompagnées des mesures coercitives qui sont nécessaires parfois pour transformer les comportements. On va revenir sur cette coercition, mais je voulais vous interroger sur une autre variante de ce comportement, c'est qu'on voit certains adopter ces comportements par suivisme, surtout pour ne pas être en marge, parce qu'on leur dit que mais vous en faites trop, pour parler trivialement, vous voulez montrer quoi? Et pour ne pas se sentir culpabilisé, paradoxalement, il y a ce suivisme comportemental. Oui, c'est-à-dire que si vous prenez, je pense que vous pensez surtout d'abord au port du masque, dont on voit souvent qu'il est porté de façon cosmétique et de façon mimétique. Parfois, c'est parce qu'on va entrer dans un établissement où on l'exige, parce qu'on va entrer dans une banque, etc. Et parfois, on arrive dans un environnement où on essaie de le porter et on enlève le sien, parce qu'on paraît comme étrange. Voilà, donc c'est les formes de mimétisme paradoxal qui, effectivement, rendent compte de la difficulté que nous avons à faire passer un certain nombre de messages qui transforment les comportements devant des questions, par exemple, de vie. Je dois dire qu'en fait, c'est essentiellement dû au fait que, en général, les pratiques sociales se nourrissent des perceptions sociales. Et donc, lorsque les perceptions sociales autour de cette pandémie n'ont pas encore suffisamment été, disons, mises en lien avec, comme vous le disiez tout à l'heure, la conscience du danger et la conscience de la tragédie. On a bien observé que, et ça on a eu à critiquer, une forme de communication nécrocentrée, c'est-à-dire que la communication du ministre Aleppo qui insistait sur le nombre de morts. On se rend bien compte que chaque fois qu'il y a l'évidence de la mort et de la tragédie proche, les gens ont tendance finalement à prendre conscience, à se dire faisons attention, c'est quelque chose de vrai. Surtout lorsque vous intégrez que pendant très longtemps, un certain nombre de courants d'opinion relayés sur un ensemble de médias, les réseaux sociaux, ont développé des hypothèses aussi bien complotistes, l'inexistence de la maladie, etc. Donc tout cet environnement, toute cette enveloppe socio-culturelle
travaillent parfois à limiter les efforts qui sont faits pour que la maladie ne se propage. Alors que notre quatrième invitée nous retrouve à l'instant, elle va nous rejoindre en direct, le docteur Laure Mengene. Bonsoir et bienvenue, vous vous installez et votre retard est excusé. On va, le temps de vous laisser vous installer et rentrer de plein pied dans cette émission. Je voudrais interroger le docteur Ngono sur précisément ce qui brave la maladie, se réfugie derrière nos savoirs patrimoniaux, disait-on, le plus grand bien de nos médicaments traditionnels améliorés. Et ils ont reçu comme un encouragement suprême ces derniers jours, avec à travers l'espèce d'adoubement du ministère de la Santé publique qui admet donc désormais les médicaments traditionnels améliorés un peu comme un complément du protocole médical officiel qui est déjà administré dans nos hôpitaux. Et vous, le Lanacom occupe une place centrale dans ces dispositifs parce que vous devez certifier que ces médicaments traditionnels améliorés, à défaut de soigner, que ne sont pas nocifs pour notre santé. Tout à fait, mais Robert, en fait, le laboratoire national de contrôle a la mission de s'assurer de l'innocuité de ces produits. Mais je voudrais ici rappeler que lorsque nous avons le ministre de la Santé publique à discuter avec les acteurs de la médecine traditionnelle, il était tout à fait clair que la médecine traditionnelle qu'on voulait, c'était la médecine sous cette forme empirique. Parce que les tentatives des praticiens de santé de mettre sous forme galénique ou sous forme pharmaceutique les décoctions et autres poudres étaient une aventure périlleuse, dans ce sens que, bien que le ministre de la Santé publique ait institué des commissions d'évaluation de ces médicaments qui étaient mis dans des flacons, dans des sachets et autres, pratiquement, il n'y a pas eu véritablement d'homologation de ces produits parce que la conformité, l'innocuité de ces produits n'a jamais pu passer, n'est-ce pas, le mur de l'évaluation. C'est pour cela, donc... Alors, vous avez commencé à évaluer? Bon, on a une grosse réunion demain, justement, où nous allons travailler. Mais je voudrais saisir cette occasion pour dire que le seul médicament que le tradit praticien de santé maîtrise, c'est le médicament de catégorie 1, selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, parce que c'est la seule préparation qui sort directement de sa recette traditionnelle et qu'il maîtrise. Et que cette tentative de mettre les produits dans des bouteilles de seconde main et autres, des bouteilles d'eau minérale vide, c'est une opération périlleuse parce qu'il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, dans l'innocuité après. On ne peut plus maîtriser. Et que même lorsqu'ils ajoutent, n'est-ce pas, des produits comme du citron, on change le pH, donc on ne peut plus maîtriser la complexité du mélange de plantes. Et qu'il était important qu'ils comprennent qu'ils doivent apporter donc cette médication sous la forme empirique. Pour ça, Sogui, longtemps les médecins ont été réfractaires à ce que vos malades qui sont pris en charge dans les hôpitaux, qui reçoivent le protocole homologué, prennent ces médicaments traditionnels à améliorer. Et vous savez sans doute que certains les prenaient en clandestinité, ils faisaient rentrer par toutes sortes de subterfuges. Maintenant que vous admettez qu'ils reçoivent cela en complément, je voulais vous demander pourquoi vous acceptez. Est-ce parce que vous reconnaissez enfin que ces médicaments sont d'un certain apport ou, plus gravement, parce que vous vous rendez compte que nous sommes au bord du gouffre, au bord du précipice, et alors on doit tout tenter? Je vais dire les choses un peu différemment. La médecine n'a jamais été contre les médecines alternatives, contre la médecine patrimoniale. Les choses doivent être très claires. Par contre, la médecine, celle que nous avons apprise, a pour premier principe celui de ne pas nuire. Primum non nocere. À ce moment-là, nous ne pouvons administrer que des choses dont nous savons les potentiels effets secondaires. Et donc,
clairement, parce que lorsque vous administrez un médicament à un patient ou lorsque cela est fait dans un environnement dont vous avez la responsabilité, eh bien, vous avez également la responsabilité liée aux éventuels accidents, incidents. Et donc, cela doit être encadré par une connaissance accrue de ces médicaments. Cela s'entend parfaitement. Vous êtes dans une démarche scientifique. Voilà. Et mais donc, si vous reveniez au cœur de ma question. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. En disant ceci, à titre personnel, comme chercheur, je travaille sur des médicaments traditionnels. Mais justement, la question est l'étape où je peux les proposer ou administrer à un patient, elle vient un peu plus loin que celle qui est souvent celle qui veut être la pratique courante. Maintenant, que l'autorité en charge de la santé publique dise « oui, c'est possible », c'est une porte qui est ouverte et j'ai envie de dire c'est une porte qui est ouverte de par la structuration même du système de santé, de par le concept de médicaments traditionnels améliorés qui est encadré par des textes de l'OMS, mais ça n'affranchit pas le praticien responsable du malade de sa responsabilité. Et donc, quand ma responsabilité est engagée, je vais avancer vers des choses dont je peux effectivement prendre, sur lesquelles j'ai quelques assurances. Ceci dit, vous l'avez dit, la majorité des patients, et les statistiques parlent de 80%, consomment de leur propre chef plusieurs autres choses que ce que nous leur prescrivons. Il en va de la liberté individuelle. Mais attention, ce que nous leur demandons, c'est au moins de nous en informer parce qu'il y a des interactions. Il y a des interactions qui ne sont... Et ma question était peut-être que le docteur... Est-ce que c'est parce qu'on est dépassé? Non, ce n'est pas parce qu'on est dépassé. Ou que nous sommes au bord du gouffre. Je vais même aller plus loin. Nous faisons partie d'une équipe qui, depuis le mois de mars 2020, début de la pandémie, a mis en place un protocole qui permettrait d'évaluer dans le cadre d'un protocole qu'on appelle add-on, en rajout, différentes médications patrimoniales. Ceci, mais il n'y a que l'évaluation. Et il faut qu'on se le dise très clairement. L'industrie pharmaceutique a pour principale force sa soumission au concept d'évaluation. Et nous devrons accepter l'évaluation. Sans évaluation, c'est ce qui s'appelle, excusez-moi le terme, le charlatanisme. Et on doit avouer que dans cet écosystème de tradithérapeute, il y a effectivement des charlatans. Et donc, mais ces charlatans ne doivent pas empêcher qu'émergent ressources intéressantes. Alors, professeur Armand Leka, est-ce que le politique n'a pas un tout petit peu aussi céder à la pression de l'opinion, parce qu'il y a quand même une poussée de cet médicament traditionnel amélioré. Bon, je dois dire que je crois que tout le monde ici est conscient que c'est un vieux débat. L'Afrique, depuis sa rencontre avec le monde moderne dans tous les domaines, fait toujours l'expérience de cette sorte d'ambiguïté entre ce qui relève du soi propre et de ce qui nous est venu ailleurs de manière plus élaborée, de manière plus scientifique. À cela s'est ajouté un autre facteur conjoncturel. Il s'agit d'une pandémie sur laquelle nous n'avons pas toujours toutes les solutions. Je crois que les médecins eux-mêmes sont tout à fait d'accord que on cherche encore, disons, des solutions, des vaccins ne font qu'arriver, s'expérimenter. Et devant ces expériences, cela s'est observé dans le cas d'autres expériences de souffrance, les gens s'orientent vers d'autres, disons, d'autres itinéraires thérapeutiques qui peuvent être alternatifs, qui sont parfois contestés, dont certains effets semblent être bénéfiques pour eux, avec à l'appui des témoignages. Et toute la difficulté, précisément, dans le cas d'espèce, je crois, c'est cet aspect lié à l'évaluation. Disons, les médecins estimant que il s'agit ici de deux paradigmes qui sont encore un peu, disons, un peu en conflit. Et ce que je crois profondément au fond de moi, c'est que
Peut-être cette pandémie, en cela au moins, peut constituer une sorte d'opportunité aussi pour qu'on investisse encore davantage nos intelligences. On sait que le passé n'est jamais dépassé. On peut recourir au passé, c'est-à-dire à tout ce patrimoine qui parfois existe, dont on a parfois perdu les traces, dont il faut articuler les mécanismes en termes de contrôle, en termes d'évaluation, comme cela est dit. Mais il faut en profiter pour soutenir les chercheurs qui s'investissent là-dedans, qui sont à mesure d'être le plus transparent possible, parce que l'une des difficultés aussi, là-bas, c'est la question parfois de la transmission, de la démonstration, de l'approbation, la question de la preuve. Et donc, parfois, les approches, la manière dont on se forme, ce que les gens connaissent là-bas, on ne sait pas comment ça se transmet, on ne sait pas ce que c'est exactement. Absolument. Donc tout ce mystère contribue parfois à jeter de la suspicion, alors qu'effectivement, des expériences existent. Il y a un trésor caché. Des expériences existent qu'il va falloir encourager. Alors précisément, d'abord le docteur Laure Menguené qui a pris le train en marche. Sur ces médicaments traditionnels améliorés, on constate quand même que psychologiquement, ça fait beaucoup de bien aux malades, à tort ou à raison. Voilà, merci beaucoup. En santé mentale, la santé mentale est pour le bien-être. Donc, tout ce qui met l'individu dans un état de bien-être, nous, en santé mentale, on est d'accord. L'essentiel, c'est qu'on ne verse pas dans les excès et qu'on s'assure que ça ne nuise pas à l'individu. Donc, en santé mentale, nous, on n'est pas contre la médecine traditionnelle, contre les potions que les uns et les autres prennent. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de ça, il faut respecter les mesures barrières. Donc, nous ne sommes pas pour penser que les médicaments traditionnels traitent le coronavirus, pour le moment, parce que ça n'a pas encore été démontré. Mais nous sommes pour la prise de traitement traditionnel et l'observance des mesures barrières. Alors, une illustration, je vous propose une illustration de notre caractère binaire, justement, face au respect des mesures barrières. Dans le secteur du transport en commun, véritable foyer de transmission du virus, notre reporter Franck Evina a emprunté deux taxis. Ce matin, pour venir au travail, il nous a ramené des clichés à la fois effrayants, mais aussi quand même réconfortants. Yaoundé, une après-midi ensoleillée. Micro et caméra embarquées pour un test à la vigilance Covid-19 dans les taxis. Première cible, le véhicule jaune de Germain. Point de départ, feu Tongolo. Masque étouffe. Puisque c'est un truc, tu aspires, tu respires, tu aspires, tu respires. Et c'est ça même qui peut nous donner la maladie ici dehors. Un conducteur goguenard vis-à-vis des mesures barrières. À bord de son gagne-pain, Germain n'affiche du sérieux que pour la recette journalière. D'ailleurs, au nom de celle-ci, pas question pour le cinquantenaire de laisser tomber la surcharge. Hein? Oh? C'est déjà sale. Ça vous fait quoi d'avoir le masque et à côté de vous, il y a quelqu'un qui n'a pas de masque? Mon frère, c'est Dieu qui nous protège. Pourquoi vous continuez donc à serrer devant? Juste pour avoir quelque chose le soir et amortir aussi le carburant. Nous quittons Germain et son taxi de l'insouciance après une trentaine de minutes pour cheminer cette fois avec Francis qui ne joue pas avec sa santé. Au quotidien, pour vous qui êtes exigeant en matière de respect des mesures barrières, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu avec nous? Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Vous n'avez pas votre cache-nez? Pourquoi vous n'allez pas? Je vais porter le masque. On peut bien vous porter, mais il vous faut un cache-nez. Chez les Liguédois, un premier client refoulé. En 200. 200 pour ma liberté.
puis un autre à Essos lycée bilingue. Oui, bonjour, c'est pour vous là. Ok. Un troisième, quelques kilomètres après. Mais là, le cachet obligatoire, je ne peux pas vous porter si vous n'avez pas de cachet. Francis est bien conscient du manque à gagner que lui coûte sa rigueur, mais rien ne vaut la vie. Car des clients qui se soumettent à ces exigences, il y en a aussi. Ça ne me dérange pas, puisque je suis déjà habituée à porter le masque lorsque je sors, depuis que la pandémie est arrivée au pays. Au moment de se séparer, nous ne manquons pas de dire nos encouragements à Francis. Francis, merci d'avoir coopéré avec nous. Continue ainsi et bonne chance. Pour ça, Maléka, réaction à ce sujet, véritable baromètre, le transport, le secteur du transport en commun, véritable baromètre de notre rapport aux gestes barrières. Oui, c'est d'autant plus que c'est... vous savez qu'on ne va pas faire un débat sur les transports en commun au Cameroun. C'est vraiment tout un univers marqué par l'informel. Et ça fait que chacun fait à peu près ce qu'il veut. Et ensuite, quand vous écoutez un peu ce que les taximens vous racontent, c'est que c'est en faisant ces surcharges qu'ils parviennent aussi à, disons, à gérer leur précarité, leur survie. Donc, disons que ce reportage rend compte effectivement, disons, des difficultés que nous avons à faire respecter, surtout ces mesures barrières, ce port du masque, que beaucoup parfois estiment comme quelque chose qui, en tant que préservatif bucco-facial, nous empêchait de parler, de vivre, de se reconnaître, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement profond. Les comportements, c'est une maladie du comportement, et c'est sur les comportements qu'il va falloir travailler en collaboration, pas simplement, enfin, en collaboration avec, bien sûr, les médecins, mais surtout avec l'ensemble des acteurs qui peuvent permettre que les comportements se modifient. Alors, professeur Sogui, revenons sur le protocole thérapeutique qui a fait ce Cameroun. On le récite presque tous par cœur aujourd'hui, l'azithromycine, la chloroquine, la vitamine C, le paracétamol, le zinc. Mais certains de vos confrères que nous avons lus attestent de ce que ce protocole est dépassé au regard des variants actuels qui circulent et qu'il faut désormais intégrer des données comme le scanner thoracique, ajouter des corticoïdes, vulgariser la surveillance de la saturation, j'en oublie. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai juste envie de dire que j'adhère au dernier point. En réalité, la médecine, c'est par essence la spécialité du diagnostic et de la thérapeutique. Nous nous occupons des personnes, nous nous occupons des communautés. Et il est important de distinguer la maladie du malade, ou en fait de la personne malade ou porteuse de la maladie. Et chaque fois que l'on est tenté de résumer un problème de santé à la maladie, on est dans l'échec absolu. Chaque fois que l'on est tenté de résumer un problème de santé, un problème de maladie à des traitements, on est dans l'erreur absolue. Parce qu'il faut se le dire, s'il s'agissait de protocoles, les ordinateurs nous soigneraient depuis belle lurette. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, nous avons besoin d'être pris en charge. C'est pour cela qu'on ne parle pas simplement d'être traité ou de recevoir des traitements, on parle de prise en charge. On a besoin, et cette prise en charge part de la démarche diagnostique à la démarche thérapeutique et à la révision diagnostique. Et je veux même aller plus loin. Dans les hôpitaux, vous dire qu'il y a quotidiennement le diagnostic médical, le diagnostic infirmier, qui sont tous posés pour concourir à optimiser les traitements qui sont administrés à des patients. Ceci pour dire quoi ? En fait, les protocoles, on les appelle en médecine les guidelines, ne sont que des guides. C'est des lignes directrices qui orientent les praticiens,
Mais en réalité, on ne soigne pas Monsieur A comme Monsieur B. Donc, pour vous, soyons systématiquement consultés. Absolument. Parce que, et sur le Covid-19 aussi, si on constate de plus en plus de l'automédication. Voilà. Et si vous permettez, on a parlé de médecine traditionnelle tout à l'heure. On a parlé de thérapie alternative. Je voudrais dire de façon également grave et solennelle à nos concitoyens, si la personne qui dit s'occuper de vous n'est pas capable de vous évaluer régulièrement, en fait, il n'est pas habilité à vous donner le moindre médicament. C'est capital de pouvoir évaluer pour savoir ce qu'on fait, pour savoir si on est dans le vrai, pour savoir si on doit réajuster, parce que ce n'est pas statique. Vous l'avez dit à la fois en ce qui concerne les variants. Dans le temps, ce n'est pas statique, mais votre état de santé n'est pas statique. Nous ne sommes pas des machines. Quand bien même nous serions des machines, il faut mesurer. Donc, celui qui ne mesure pas, celui qui n'évalue pas, n'est pas apte à soigner. Docteur Ngono, alors sur ce point, il y a aujourd'hui un appel à plus de synergie entre les cliniques et nos hôpitaux publics. Et les cliniques demandent à être davantage associées, c'est d'autant plus que beaucoup de Camerounais préfèrent aller vers les cliniques à la fois pour des raisons de discrétion et même de confort aussi. Je ne vous apprends rien sur parfois l'état de l'hôpital public. Mais cette synergie-là n'est vraiment pas au point. Je voudrais dire, mais Robert, que ce qui est aussi dommage dans notre pays, c'est qu'il faut quand même qu'on reconnaisse quelque part qu'il y a des maîtres dans la prise en charge et que même si on doit se coordonner, que ça ne soit pas pour faire un peu comme pour aller contester ce que les autres font, mais pour qu'il y ait une meilleure complémentarité. Parce que le sous-secteur privé est tout à fait partie prenante dans le secteur santé. Mais celui qui est chargé de définir les protocoles, c'est le ministère de la Santé. Et ces protocoles sont en général élaborés en coordination avec les ordres de médecins et autres, et qui envoient d'ailleurs des experts en la matière. Donc, ce qui est dommage, c'est de se retrouver, parce que le malade, en fait, c'est le patient qui se retrouve au milieu, un peu, entre guillemets, des gens qui se disputent. Et c'est ce qui est dommage. Alors qu'aujourd'hui, on a un arsenal. Je voudrais d'ailleurs revenir sur la médecine traditionnelle. Même la médecine traditionnelle, il y a tout un guide, ce qu'on appelle le référentiel d'identification du praticien, qui a défini d'ailleurs comment on doit collaborer. Mais vous verrez que tout le monde dit ce qu'on doit faire, mais personne ne veut vraiment suivre le protocole qui a été arrêté par les pays. Même en ce qui concerne cette évidence médicale, parce que même en médecine traditionnelle, il y a la notion d'évidence ethnomédicale. C'est-à-dire que le praticien n'est pas celui qui doit demander au patient d'aller faire le test de COVID et de lui apporter pour que ce soit lui qui le lise. Non, il doit travailler en accord avec la médecine conventionnelle et prouver donc, grâce au stéthoscope que porte le médecin conventionnel, que son traitement est véritablement efficace. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les praticiens veulent lire la biologie, ils veulent donner des points de vue, et c'est ça qui fait des ordres. Alors que l'OMS est claire. Aujourd'hui, dans les instructions que le ministre de la Santé a données, nous allons devoir mettre en place l'organisation des soins à partir de la base, qui est le district, et où nous savons que même au niveau de cette médecine traditionnelle, elle ne peut pas traiter les formes sévères de la COVID. Je crois qu'il faut que ça soit clair. Parce qu'ils retiennent les gens. Et après, les malades, quand ils arrivent à l'hôpital, dans les centres de prise en charge, ils sont déjà dans des phases extrêmement sévères. La médecine traditionnelle peut, lorsqu'on est positif, on est asymptomatique. Là, on va prendre nos bonnes vieilles tisanes et décoctions que nous connaissons. Et on devra aller faire un test 7 jours après pour s'assurer que le test est devenu négatif éventuellement. Donc je voulais quand même dire qu'il faut qu'on continue à travailler parce qu'on ne peut rien sans protocole. Et tout le monde ne peut pas faire un protocole.
Ce n'est pas sérieux. Alors, docteur Mengon, je voudrais qu'on parle un peu de vous, enfin du personnel médical qui est en première ligne. Alors, de source concordante, certains de vos collègues souffrent de burn-out en ce moment, parce que, notamment à la faveur de cette deuxième vague, ils sont sursollicités, ils sont certains au bout de la crise des nerfs, surtout que dans certaines unités de prise en charge, ils voient une cadence, un cortège macabre des gens qui meurent presque chaque jour. Qu'est-ce qu'on peut pour eux, pour qu'ils ne craquent pas? Parce que si eux, ils craquent, alors nous, voilà. C'est mal, très mal parti pour nous tous. Voilà. La particularité de ce corps, c'était qu'il était déjà dans un état de mal-être, bien avant même la pandémie. Donc, ce qui fait que la pandémie n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder, qui fait déborder le vase. Bon, rallonge de l'âge de départ à la retraite, ça fait quand même un peu de bien, non? Oui, okay. Ça fait du bien. Donc, ce qui a... Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on parle aussi des problèmes de primes. Bon. Il y avait plusieurs revendications qui avaient été formulées, mais certaines ont été résolues. Mais n'empêche que le constat global au cours de l'assistance psychologique, c'est qu'on a quand même constaté qu'il y avait un mal-être qui demeurait et que la survenue de la pandémie n'a fait que faire déborder le vase. Dans ces circonstances... Alors, que pouvons-nous faire pour sauver nos personnels médicaux pour que plus tard, ils nous sauvent? Parce que... Voilà. C'est le crack, c'est plutôt mal parti pour nous lorsque nous viendrons à l'hôpital. Voilà, c'est très important que ce personnel se sente soutenu. Parce qu'on a l'impression que... Est-ce qu'il faut qu'on applaudisse au journal de 20h, comme on faisait en France, chaque soir à 20h, on applaudit pour le personnel médical? Pas forcément, pas applaudir. C'est dans l'interaction, la communication avec ces derniers. C'est déjà de savoir que autant les accompagnants, les malades sont dans un état de mal-être à cause de cette situation, mais que ceux-ci puissent aussi comprendre que le personnel soignant, c'est aussi un être humain et que ce dernier peut être en proie aux mêmes émotions qu'eux. La pandémie n'est l'apanage de personne. Même ce personnel médical n'était pas préparé à cette pandémie. Donc, les mêmes émotions que la population peut avoir, il faut qu'elle sache que c'est les mêmes que ce personnel a, mais en plus même, plusieurs autres facteurs, parce qu'il y a ce stress permanent. Vous êtes en première ligne. Il y a la peur non seulement d'être infecté, mais d'infecter les autres. Vous avez des mères de famille qui ont des bébés, des responsables de famille. On imagine, on prend l'exemple d'une mère qui est dans un service de réanimation ou d'urgence. Essayez de vous imaginer cette mère qui part de son lieu de travail et arrive à la maison et doit pouvoir, entre guillemets, il y a les petits et les enfants qui arrivent, qui courent vers elle. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On ne sait pas combien de temps la pandémie va mettre. Est-ce qu'il faut que je les embrasse? Est-ce qu'il faut que je les repousse? Avec le conjoint, comment la vie va se produire? Comment est-ce qu'on va continuer à vivre? On a vu beaucoup de personnels de santé qui ont dû déménager, qui ont dû s'isoler. Et vous n'imaginez pas sur le plan psychologique ce que ça peut faire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà confrontés à leur angoisse. Ils ont besoin d'interaction, de communication, mais ils doivent s'isoler parce qu'ils veulent protéger les autres. Donc, autant de situations que la population doit pouvoir comprendre. Et ce personnel est également débordé. Il est débordé. Donc, la chose que l'on souhaiterait, c'est que la population améliore un peu la communication. On sait, il y a le mal-être, mais qu'on ne vienne pas, que ce ne soit pas agressif, parce que généralement, on comprend, on veut des informations, on veut ceci, on veut cela. On veut aussi la prise en charge. Et parfois, quand elle traîne, et on voit son parent mourir, enfin au plus mal, et évidemment, vous comprenez que les gens soient agressifs. Le personnel médical qui perd un lourd tribut, selon le docteur Guy Sanjon, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le Cameroun perd au moins un médecin, un personnel de santé chaque jour.
au Cameroun des suites du Covid-19. C'est très grave. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler les chiffres préoccupants de la pandémie au Cameroun. On va le voir en tableau. À ce 31 mars 2021, on compte 56 156 cas confirmés. On va le voir avec le concours du réalisateur. 838 décès. 5120 cas actifs, plus de 336 hospitalisés, dont 111 sous oxygène. 56 156 cas confirmés ce soir et 838 décès. On a presque doublé ces chiffres en un trimestre, d'où la gravité de la situation. Alors, d'où nous viendra le secours? Les scientifiques plébiscitent la vaccination. On en parle dans un instant. Le temps pour moi de remercier le docteur Mengene. Vous allez céder votre siège au professeur Tétain Ekoué, mais vous allez nous retrouver dans la dernière partie de l'émission, docteur Mengene, et nous allons accueillir dans quelques instants le professeur Tétain Ekoué. Mais avant de partir, je vous propose de garder avec nous ce sujet de Barbara Pajama sur l'offre en vaccin aujourd'hui de par le monde. Vous avez quasiment 8 vaccins au choix entre le vaccin ARN messager et le vaccin à vecteur double viral. À quel vaccin faut-il donc se vouer? C'est un sujet de Barbara Pajama. Dont les laboratoires s'abouchent fort, les ménages. Et depuis le début de la pandémie mondiale, à ce jour, les chercheurs ont mis en essai et proposé 8 vaccins, tous composés à la base d'une protéine Spike qui cible les variants. À la rencontre des bras vaccinés, ces 8 essais cliniques sont en concurrence. AstraZeneca, le messager anglais-suédois, propose un bon niveau de protection chez les sujets de 18 à plus de 80 ans, 85%. La vaccination réduit significativement le nombre d'hospitalisations et les risques de contamination. Le sérum pourrait provoquer chez les plus jeunes des syndromes pseudo-grippaux à cause de leur système immunitaire encore au top. Une fièvre peut attaquer entre 24 heures et 48 heures après vaccination. Gérable avec juste du paracétamol, AstraZeneca se conserve dans un frigo pharmaceutique classique facile à transporter. Pour l'heure, Pfizer-BioNTech, le produit à l'ARN, introduit par l'Allemagne et les États-Unis, est capable de réduire de 92% les cas graves et s'applique à tous les âges sans différence. L'essai en vie réelle démontre que le vecteur viral phagocyte le nouveau variant anglais et sud-africain. Le sérum survit à très basse température. Les laboratoires américains ont aussi introduit l'ARN messager Moderna, administré en 2 doses, espacées de 28 jours. L'efficacité aussi entre 89 et 94%, selon le cas symptomatique. Une performance prouvée avant l'arrivée des nouveaux variants anglais et sud-africains. Le test sur petite échelle, Moderna combat le variant anglais, mais impuissant face aux sud-africains, se conserve à moins de 20 degrés. Johnson & Johnson, vaccin à vecteur américain et belge, a une autre réplique face à ses concurrents. Ce vaccin indique une seule dose pour protéger à plus de 66% contre les formes légères et graves du Covid, 2 semaines après l'unique prise. Cette fiole a l'avantage d'absorber le variant qui circule en Afrique du Sud à près de 57%. Sa conservation est possible dans un frigo pharmaceutique classique. Le sérum partage les mêmes limites que tous les vaccins basés sur les vecteurs viraux. Les Russes aussi ont déclenché une réponse immunitaire protectrice Sputnik à un vecteur double viral, capable de maîtriser 92% de protection contre les symptômes du Covid. Se conserve entre 2 et 8 degrés dans un frigo classique. Mais ces anticorps n'ont encore rien prouvé contre le troisième variant. Les États-Unis disposent aussi de Novavax à base de protéines qui combat à 89,3% les formes symptomatiques du Covid. Novavax est efficace contre le troisième variant britannique. Celui-ci d'Africain, il le digère entre 48 et 60% efficacement. L'antidote survit dans un frigo entre 2 et 8 degrés. Par contre, la proposition chinoise Sinovac n'est pas encore complètement activée. Selon les chercheurs, empêche à 50% l'infection et à 80% une intervention médicale. Les autres laboratoires jugent sa réponse immunitaire faible. En revanche, Pékin affirme que le vaccin Sinopharm est jouable à 79,34% contre le Covid. Comme le Sinovac, Sinopharm, pour les chercheurs européens et américains, ne convainc pas assez en termes de réponse immunitaire. Et je voudrais donc accueillir le professeur Tétain Ekoué. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir, Hébert Robert.
Je vous accueille. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je vous accueille en votre double qualité de membre du comité scientifique des urgences de santé publique et de membre du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Et comme ambassadeur de la vaccination, vous avez commis une tribune le 9 mars 2021, publiée dans Cameroun Tribune, intitulée « Le devoir de vaccination anti-Covid-19 ». On ne peut pas être plus pro-vaccination. Non, c'est vrai, Aimé Robert. Je voudrais dire que, comme le soulignait avec beaucoup de pertinence mon brillant disciple, le professeur Sorbuy, et comme le soulignait le docteur Ngono, l'histoire de la médecine, Aimé Robert, a presque toujours été comme ça. Nous avons un bras pour guérir et nous avons un bras pour prévenir. Ce que vous venez de dire avec beaucoup de brio tout à l'heure avec mes collègues illustre bien que pour guérir, nous n'avons pas encore trouvé la solution. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la vaccination a presque toujours été l'arme qui a résolu, qui a fait reculer la rougeole, qui a fait reculer le choléra, la fièvre typhoïde, les méningites purulentes et récemment la polio. La polio. Par conséquent, l'humanité, la planète, a mis beaucoup d'efforts pour trouver des vaccins. Et ce qu'il faut dire, Aimé Robert, c'est que ce Covid a été une prodigieuse opportunité pour la planète et pour l'humanité. Parce que pendant qu'on déplore cette hécatombe gigantesque... 2800 morts. Nous sommes à près de 3 millions de morts au nord, dans toute la planète. Et rien que chez nous, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes à près de 850. Mais ça, c'est, je dirais, le top de l'iceberg. Parce que, comme vous savez, Aimé Robert, on ne déclare pas tous les morts. Et beaucoup de morts se font. Malheureusement. Malheureusement. Donc, nous devons être au-dessus des 1 000 à 1500 morts. C'est énorme. Et il se trouve qu'actuellement, pendant que la planète cherche désespérément la solution, nous avons, les scientifiques nous ont fait découvrir ces deux types de vaccins qui ont ceci de révolutionnaire, Aimé Robert. Et pour que le comprendre, vous devez imaginer un jour que votre ville, votre quartier soit envahi de bandits. Lorsque la ville est envahie de bandits, quelle est la réaction de la police ? Qu'on peut comparer au système immunitaire de l'organisme. Eh bien, la police tout de suite descend, la gendarmerie descend. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle identifie les bandits. Et quand elle identifie les bandits, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle distribue le message sur l'identité des bandits. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les policiers, quand ils sont bien entraînés et motivés, viennent et neutralisent ces bandits. Et qu'est-ce qui se passe donc ? C'est que plus il y a de bandes de policiers et de gendarmes dans cette localité, moins il y aura de bandits. Moins il y aura de bandits et plus ils ont tendance à aller se cacher et à être neutralisés. C'est le principe du vaccin. C'est la même chose pour le vaccin, Aimé Robert. Que ce soit ARN messager ou à vecteur. C'est la même chose parce que ici, ce que vous devez comprendre, et les gens vous diront toujours, mais ces gens-là, pourquoi ils ont attendu si longtemps pour nous découvrir ces vaccins ? La réalité, c'est que le principe, la technologie qui a permis de mettre justement ce nouveau type de vaccin est vieille de 20 ans. Et comme elle était vieille de 20 ans, c'est lorsque Ebola a véritablement, je dirais, mis le couteau à la gorge de l'humanité, que cette recherche, a donc été osée pour accélérer la mise à disposition du vaccin. Et actuellement donc, nous disposons de deux types de vaccins. Oui, sauf que, professeur, dans l'intervalle, il y a eu tout ce feuilleton qu'on a connu, notamment sur le grand espoir AstraZeneca, autorisé, oui. Suspendu, oui. Réautorisé. Il y a eu des embrouillages mini-politiques ici, oui. Et là. Oui. Bon, renforçons quand même la défiance. C'est ici. Vrai. C'est tout à fait normal, Aimé Robert. Vous savez, lorsqu'on a découvert le vaccin de la polio, c'était pas évident. Hein. Lorsque le président Roosevelt des États-Unis s'est découvert atteint de la polio,
toutes les États-Unis se sont scandalisés et ont investi dans, dans la découverte du vaccin. Mais quand on découvrait ce vaccin, il y avait la grosse bataille entre le vaccin Salk et le vaccin Sabin, et qui finalement a abouti à l'adoption du vaccin Sabin. C'est la même chose qui se passe, Aimé Robert. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de trouver la meilleure combinaison, le meilleur vaccin qui va donner. Mais nous ne l'avons pas encore trouvé, parce qu'il n'est pas encore parfait. La seule chose qu'il faut rappeler à nos compatriotes, c'est que la vaccination, malgré toutes les rumeurs négatives qu'on leur a inculquées, est l'arme. Aujourd'hui, c'est la planche de salut. C'est la planche de salut. Alors, professeur Armand Leka, évidemment, je ne vous apprends rien, il y a un puissant front anti-vax dans notre environnement. Ces embryamini, ces faux pas, sont toujours de nature à renforcer ce front anti-vax. Oui, je crois que le professeur Tétain a expliqué avec beaucoup d'érudition, mais aussi avec beaucoup d'images parfois simples, ce qui est. Et donc, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que la plupart de ces pandémies, la solution la plus souhaitable et la plus immédiate se trouve si l'on investit dans la prévention. Mais comme il peut le deviner, la prévention, ce n'est pas simplement au niveau, médical, au niveau de la production d'un vaccin, d'où l'intérêt, on revient toujours sur la question de la communication. Un, vous pouvez prendre le fait que, évidemment, les autorités publiques n'ont pas eu une communication tout à fait adéquate sur la question. Ça introduit beaucoup d'hésitations. Ces hésitations sont venues se coaguler à un ensemble de processus. Vous savez que dans la théorie de la communication, je crois que vous en savez, il y a ce qu'on appelle les bruits. Et les bruits peuvent modifier la perception du message. Et donc, parfois, l'enjeu, ce n'est pas la vérité, c'est comment la vérité est perçue. Or, il se trouve que sur ces questions, c'est ajouter un facteur avec lequel il va falloir travailler pour nos sociétés. Hier encore, si on a pu résoudre plus facilement, enfin affronter plus facilement ces blocages et ces freins, c'est parce qu'il y avait encore une extrême verticalité dans la transmission d'un certain nombre d'informations. Tout à fait. Dans ce monde extrêmement rhizomatique, avec les réseaux sociaux, l'horizontalité de la diffusion des messages fait que parfois on ne sait pas quelle est l'autorité et la crédibilité de qui dit quoi. Et donc tout ça circule et mis à la disposition de n'importe qui, ça se diffuse partout. Ensuite, on commence à vous expliquer qu'effectivement, il s'agit d'introduire des puces pour contrôler la démographie africaine, alors même que le continent est le moins vacciné. Donc je crois que ça interpelle encore davantage la nécessité de travailler de manière collaborative avec l'ensemble des spécialistes des sciences médicales, des sciences sociales, pour effectivement, avec des images, des métaphores utiles, permettre en sorte que les gens comprennent que c'est une urgence devant laquelle il va falloir intervenir. Alors, docteur Rosengone, le personnel médical concède que ces vaccins, notamment AstraZeneca, a des effets secondaires, mais vous contentez de nous dire que, bon, voilà, le rapport, je reprends votre expression consacrée, le rapport bénéfice-risque est largement en faveur du vaccin. Mais alors, une téléspectatrice du nom de Marie-Hélène Kemayou me demande qui va se porter garant de ces effets secondaires. Vous, les médecins? En fait, c'est comme disait le professeur Sobgui tout à l'heure, qu'il y a la notion de prise en charge. Je remercie le professeur pour le volet communication, parce que quand on doit faire la vaccination, il y a ce qu'on appelle la mobilisation sociale par laquelle on commence, donc on a besoin de la faire. Mais maintenant, on met en place ce qu'on appelle un plan de gestion des risques, c'est-à-dire un plan de suivi des effets indésirables. C'est ça aujourd'hui, et je crois que l'Organisation mondiale de la santé et les pays, puisque les experts de l'OMS, ce sont les experts des pays, ont quand même déjà mis en place un bon canevas d'évaluation de ce vaccin, d'ailleurs AstraZeneca, qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs d'avoir une vision de ce à quoi on peut s'attendre en termes d'effets indésirables et de suivi et même de contrôle de ces effets indésirables. Bon, on a des exemples, déjà en Afrique, des pays qui ont commencé à vacciner. On a eu des feedbacks aussi, même des gens avec qui on a parlé, qui ont été vaccinés. Mais ce qui est important, c'est que
on mette quand même toutes les dispositions pour éviter les incursions des faux vaccins, hélas, qui sont en train d'arriver. À partir du moment où il y a les faux médicaments, il y aura aussi voilà, les faux donc, vaccins. Moi, je pense que le ministère de la Santé a mobilisé toutes ses troupes. Je pense que je peux le dire ici, devant la communauté nationale. Nous travaillons ensemble. Je crois qu'on ne dort pas depuis 3 semaines au moins, parce qu'il y a des réunions de crise, des réunions techniques, où nous sommes justement en train de préparer ce processus de vaccination pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de nos compatriotes. Alors, je vous propose de faire un détour par la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, une ville presque sans masque, à quelques exceptions près. Retrouvons Patricia Lulouga à Douala dans ce sujet. Douala, ville rebelle, nul ne saurait le dire. Le non-respect des mesures barrières, le rejet du masque de protection et autres comportements déviants sont de nature à fonder ce jugement de valeur. Douala s'affiche comme une ville rebelle. Il suffit d'observer ce qui se passe dans les espaces publics. Chacun y va de son degré de prise de conscience. Mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle négligence chez certaines personnes au moment où le coronavirus fait plus que jamais des victimes. D'autres disent que oh, on met ça pour un temps, après on l'enlève. Il y a des gens qui ont des problèmes de nez. Moi-même, quand je porte, souvent j'enlève parce que je sens mal. Ça tire trop les nez et ça remonte à la tête. Donc beaucoup ont des problèmes de nez et de respiration. Le port est approximatif. Quand vous allez dans les marchés, vous trouvez presque toute la population n'a pas de masque. Arrêt sur image, que de fantaisie dans le port du masque. C'est sous le menton que certains le portent. Et que dire de la distanciation sociale dans les transports en commun? Si quelques chauffeurs de taxi ne font plus de surcharge et n'acceptent que des passagers protégés, ce n'est pas le cas pour la majorité des conducteurs de moto-taxi. Parce que même en surchargeant, on ne s'en sort pas. Honnêtement parlant, c'est vraiment difficile de joindre les deux bouts sans surcharge. Pourquoi ne pas le dire? La campagne de sensibilisation anti-Covid en cours a encore du grain à moudre à Douala. La répétition est la mère des études. Autant le dire alors, le virus est bel et bien présent. Protégeons-nous, respectons les mesures barrières et surtout, portons nos masques. Merci Patricia Lulouga à Douala pour cette piqûre des rappels sur le port du masque. Le laisser aller à Douala atteste certainement de l'urgence de la vaccination. Alors professeur Sogui, le Cameroun n'est-il pas déjà en retard? Parce que le docteur Ngono le disait, il y a un certain nombre de pays africains qui ont déjà commencé, qui avancent d'ailleurs de bons taux de vaccination, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et le Nigeria, pendant oui. Ce temps, vous en êtes encore à des réunions tous les jours, comme le dit le docteur Ngono. Chaque mort de plus signe notre retard. Pourquoi je le dis? Parce que ça doit être clair dans la communication aussi que les vaccins existants ont pour principal mérite de réduire la survenue de formes sévères et les décès. Il ne faudra pas qu'on s'attende à une réduction massive des transmissions. Non, il y a des gens qui, tout en étant vaccinés, vont pouvoir être testés positifs. Mais ça, au moins, ça doit être pas. Très clair. Mais au moins, ne feront pas les formes sévères et n'en mourront pas. Cette communication doit être très claire pour ne pas alimenter davantage la défiance. Donc, ayant dit ceci, en 3 mois, autant de décès
qu'en 2021 qu'en 10 mois en 2020, ça signe le besoin d'agir sur le risque de formes sévères et de décès. Mais en plus, mais il faut se le dire également que la vaccination ne viendra pas résoudre tous les problèmes. Premièrement, parce que ce serait illusoire d'imaginer que des millions de Camerounais seront vaccinés en quelques semaines. Cela même les grandes puissances n'y arrivent pas, puisque un pays comme la France n'est qu'à 10% de taux de vaccination. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que il faut qu'on soit au clair sur la stratégie choisie. Est-ce que c'est une stratégie d'immunité collective ou de prévention des formes graves, auquel cas on cible les personnes qui sont à risque de faire ces formes sévères et mourir? C'est manifestement le second choix, ce qui veut dire que ce sera prioritairement les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, ayant des comorbidités, les personnels de santé en première ligne. Prioritairement, ceux-là. Même si le reste de la population, dans le décompte des morts de ces dernières semaines, on a eu des jeunes de 40 ans. Ça reste, il faut le dire, ça reste des exceptions. Et dans les essais cliniques en médecine, on a l'habitude d'utiliser la terminologie de number needed to treat. Combien de personnes il faut traiter pour éviter un événement? Parmi les moins de 50 ans, il faudrait vacciner des millions de personnes pour éviter un décès. Alors que parmi les plus de 50 ou 60 ans, vacciner quelques milliers de personnes permettrait d'éviter un décès. Donc, les choix doivent être faits en fonction de cela. Ce qui veut dire... Le Cameroun accuse donc quand même un petit retard à l'allumage. Est-ce que vous avez une idée de l'arrivée des premières cargaisons de vaccins au Cameroun? Je dirais que, d'une part, n'étant pas en charge de ces questions-là, et d'autre part, si ça avait été le cas, l'obligation de réserve, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Bon, vous me direz hors antenne. Oui, je voudrais vraiment insister sur ce fait. Oui, il faut pousser pour rapidement avoir des vaccins au Cameroun. Mais oui, il faut dire à la population que ce n'est pas la panacée absolue. Il va falloir que les plus jeunes qui sont très contagieux alors qu'ils n'en meurent pas auront besoin de prendre toutes les dispositions, les mesures barrières pour ne pas contaminer les aînés, les seniors. Il faut qu'on se le dise vraiment très clairement. Je voudrais saisir l'opportunité pour dire que la période des vacances scolaires que nous avons là en ce moment est une fantastique opportunité pour freiner la pandémie. On n'aura pas le brassage des enfants dans les écoles qui vont... Mais certains établissements refusent ces vacances scolaires aux enfants. Il y a quand même un problème de stratégie globale aussi. Hein. Oui. Donc, Vous souhaitez qu'on ait des vacances, mais dans l'enseignement secondaire... Ces vacances seront salutaires dans la lutte contre cette pandémie parce qu'il n'y aura pas de brassage des enfants qui, pour le moment, sont ceux qui transmettent probablement le plus. Ça permettra qu'au sein de la cellule familiale, on ait les guérisons de ces enfants qui n'ont pas forcément besoin de traitement et que l'on diminue la pression global sur le système de santé. Parce que je voudrais permettre vraiment revenir, vous sur le vaccin. Non, professeur Sogui, vous êtes avec nous pendant toute l'émission, donc vous reviendrez. Mais je voudrais quand même, est-ce que le professeur Tétagné peut répondre quand même, le professeur Sogui a levé un lièvre sans en donner l'air. Oui. Il y a quand même un problème de stratégie globale là. Absolument. Parce que là, le professeur Sogui lui souhaite, il applaudit des deux mains l'avènement des congés de Pâques. Mais dans le même temps, un certain nombre d'établissements scolaires, et je suis un parent, je sais de quoi je parle, oblige les enfants à aller à l'école chaque matin. Il n'y a pas eu de rupture. Mais alors, où est la stratégie globale de la réponse du Covid au Cameroun? La stratégie doit être décidée par l'État. Hein. C'est l'État qui doit absolument... Vous voyez bien que, pour prendre un exemple qui n'est pas très très loin, vous avez vu que le président Macron a dû monter en première ligne pour définir le cap de la stratégie. Je crois qu'ici, nous avons la même chose. Le ministre de la Santé a bien défini la stratégie, mais vous connaissez le comportement des Camerounais. Nous ne sommes pas le peuple le plus discipliné qui soit. Mais il y a un ministériel qui se tient quand même au niveau stratégique. C'est vrai. On devrait quand même harmoniser.
C'est vrai qu'il faudrait. Je crois que c'est l'occasion de d'inviter les pouvoirs publics à avoir cette cohésion politique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le professeur Sobgui, mais je voudrais surtout insister, Aimé Robert, sur le fait que notre population doit comprendre qu'il s'agit de vie ou de mort pour notre société. Et qu'il faut arrêter de continuer dans cette insouciance, dans cette espèce d'indiscipline. Parce que malheureusement, lorsque viendra le couteau au niveau de la gorge, nous devrons trouver cette solution. Et il faudra absolument vacciner, il faudra absolument se discipliner pour observer ces mesures barrières, parce que nous ne pouvons pas continuer à jouer, à ménager la chèvre, le chou, et à vouloir faire une chose et son contraire. On va y revenir, mais puisque vous avez la parole, le ministère de la Santé a choisi le programme élargi de vaccination comme organe unique responsable de conduire cette opération. Est-ce qu'avec le PEV, tout cet instrument nous permettra d'aller vite, très vite? Parce qu'on sait qu'un certain nombre de pays, comme les États-Unis, ont même dû mobiliser la garde nationale, oui, des grands moyens, comme si c'était une campagne militaire, pour aller très vite, nous, avec le PEV. Oui, Aimé Robert, parce qu'il faut quand même tenir compte de ce que nous n'avons pas un gros vivier de ressources humaines. Et que d'un côté, le programme élargi de vaccination a pratiquement 30 ans d'expérience pour la conduite des vaccinations. C'est eux qui maîtrisent la chaîne de froid, c'est eux qui détiennent le personnel le plus expérimenté, le plus aguerri dans cette histoire-là. Donc, le Cameroun fait avec ce qu'il a. Il ne peut pas se mettre à improviser parce qu'il a vu dans d'autres pays ce qui va se faire. Ce que vous avez absolument raison de dire, c'est que ce programme élargi de vaccination, qui est en réalité d'abord, je dirais, configuré pour les enfants, ici, va devoir élargir sa cible. Ouais. Et c'est peut-être l'occasion d'insister sur le fait que le ministère de la Santé a très vraisemblablement besoin de renforcer les capacités de ce programme élargi de vaccination, notamment en matière de ressources humaines, en matière de communication. Dieu sait que nous avons besoin de renforcer la communication auprès des populations pour que, justement, les effets délétères de ces rumeurs, de ces réseaux sociaux et qui ont décrit l'enfer comme le purgatoire, cesse et que les Camerounais comprennent où est son véritable intérêt. Il doit observer les mesures barrières. Absolument. Et il doit absolument chercher à faire en sorte que ceux qui sont des cibles soient vaccinés. Alors, je voudrais que nous marquions un arrêt pour passer un bonsoir à un invité qui nous regarde depuis la France, le professeur Alfred Ngando. Il nous regarde depuis la ville de Pont-Sainte-Maxence, c'est dans l'Oise, à la périphérie de l'Île-de-France. Bonsoir, professeur Alfred Ngando. Bonsoir, monsieur Bihin. Alors, on parlait de vaccination à l'instant, comme observateur, comme résident en France. Vous avez déjà pu vous faire vacciner là-bas? Bon, disons, je vais le faire bientôt. Vous savez qu'il y a pour l'instant une petite pénurie. Disons que le président Macron a fait un discours ce soir et je pense qu'il a échelonné, donné à peu près les priorités qui seront faites au fur et à mesure. Donc, je crois que c'est les personnes les plus âgées qui seront vaccinées. Et au fur et à mesure, je pense que nous allons le faire progressivement. Merci, professeur. C'était juste pour vous passer un bonsoir. On vous retrouve dans la dernière partie de cette émission. Et merci de nous regarder depuis l'Oise en France. Je vous en prie. Et professeur Sobgui, je voudrais vous interroger quand même sur... on nous annonce donc le vaccin AstraZeneca, peut-être le vaccin russe, peut-être le vaccin chinois, sachant que l'OMS n'a encore approuvé aucun des vaccins chinois quand même. Les procédures pour tous les vaccins sont en cours, vous vous en doutez bien. Et Johnson & Johnson, ça ne date que de quelques semaines à peine, etc. Donc, j'ai envie de dire,
on laisse aux autorités de régulation de faire leur travail dans toute la responsabilité. Et les informations scientifiques dont on dispose nous permettent d'anticiper et de faire des présélections, des choix d'options pour la population. Étant entendu, et je le dis comme ça, chaque fois que, par exemple, au sein du conseil scientifique, on doit faire un choix, c'est d'abord un choix qui s'appliquerait à nous, par exemple. Donc, on va bien imaginer. Vous serez les premiers à vous faire vacciner. On va bien imaginer que les choix sont des choix responsables à double titre. Bien. Donc, est-ce que vous êtes aussi en train d'encourager les politiques, docteur Ngonon? Ça va également. Vous profiterez également pour conclure. À encourager les politiques, comme ça se voit ailleurs, qu'ils soient les premiers à se faire vacciner pour montrer l'exemple, pour montrer qu'il n'y a pas d'innocuité. Que... Bon, je pense que les politiques sont aussi dans la tranche cible qui a été identifiée là et ils devraient. C'est pour ça que nous devons vraiment savoir que la prise en charge est en train de s'organiser, tous ces plans de gestion des risques. Aujourd'hui, on sait le type de risque auquel on va pouvoir faire face. Et l'essentiel est donc qu'on prenne tout ça au sérieux et qu'ensemble, on travaille de manière coordonnée. Et qu'on aille plus vite. Et qu'on aille plus vite. Et mais l'aller plus vite, c'est d'éviter que des gens s'organisent à droite, à gauche pour s'approvisionner en vaccins parce que le marché international actuellement, c'est dangereux. C'est pour ça que le PEV est bien parce qu'il nous permet d'avoir une source d'approvisionnement, n'est-ce pas, où nous pouvons vérifier tout ce qui entre et assurer les contrôles. Professeur Leka, vous concluez. On va vous dire au revoir et merci. D'accord, merci. Juste pour dire que moi, j'écoute depuis très longtemps le professeur Tétanyé, aussi bien le professeur Sobgui. Dans des cas de ce genre, il faut savoir que une société qui n'écoute pas ses penseurs est une société qui est condamnée à vivre dans l'obscurité. Et l'obscurité est, je crois, la pire des pathologies, notamment lorsqu'il s'agit de... Parce que j'étais très intéressé par la métaphore tout à l'heure du vaccin, des bandits, des policiers. Il y a des quartiers où les policiers n'arrivent pas à circuler, à faire leur travail parce qu'il manque de lumière. Et donc les bruits, les insuffisances, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tout le monde s'implique, les autorités publiques en premier, et qu'on soit disposé à écouter ce que les chercheurs, ce que les penseurs disent, proposent tous les jours et qui est possible. Pour cet étagné, si vous aviez un dernier souhait à l'endroit des autorités et oui, des populations. Oui, oui. Vers les autorités, je voudrais demander vraiment un renforcement de la coordination. Un renforcement de la communication. La communication est aussi importante que de disposer de vaccins. Ça ne sert à rien d'avoir des vaccins et une population qui est hostile. Donc par conséquent, nous avons un grand devoir d'expliquer aux populations, de leur, je dirais, vulgariser la perception qu'ils ont du vaccin. Et je voulais dire que pour la population, il faut absolument que cette population comprenne qu'il y va de là, de son propre intérêt. Mais je vais vous dire, Aimé Robert, que quelque part, nous devons être sereins parce que le diktat de la mortalité va nous donner la leçon. Lorsque, Aimé Robert, vous aurez perdu 2-3 cousins, neveux, je suis sûr que vous n'aurez pas besoin de démonstration pour faire en sorte que chez vous, lorsqu'on sort de la maison, qu'on porte le masque et que quand vous avez des oncles et des tantes qui ont dépassé les 50 ans, que vous veillez à ce qu'ils soient vaccinés dans les postes qui auront été identifiés par le ministère de la Santé publique. Souhaitons quand même que nous n'en arrivions pas là, parce que ce sera trop tard. ils ne pourront pas ressusciter lorsqu'on... Alors, avant de partir, je voudrais quand même rappeler un tableau à quelques-uns de ces vaccins dans cette offre. Pfizer and BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V, le Sinovac chinois, le Sinopharm chinois. Et Novavax américain, rappelons que Pfizer Biotech, il est une joint venture États-Unis-Allemagne, Moderna États-Unis, AstraZeneca, Royaume-Uni-Suède. Nous, on attend toujours de savoir quel vaccin se vouer.
Nous espérons que ce n'est plus qu'une question de jour. Merci donc, docteur Ngono. Merci, professeur Lekar. Bon, merci, professeur Tétanye Ekoué. Et vous allez céder vos sièges à un panel d'experts en communication. Vous avez beaucoup appelé de vos voeux. Attendez, professeur, avant de partir. Vous avez beaucoup appelé de vos voeux la communication. Et vous serez servi dans quelques instants avec un panel de communicants connus et reconnus. Mais avant, je vous propose de mettre le cap sur Bafoussam, d'où nous regarde le maire de la ville de Bafoussam. Il regarde l'émission en direct en ce moment dans son bureau. Alors, monsieur le maire, vous nous regardez depuis le début de cette soirée. Monsieur le maire de la ville, vous nous regardez depuis le début de cette soirée avec beaucoup d'intérêt, j'imagine, puisque la région de l'Ouest occupe malheureusement le troisième rang national parmi les régions les plus touchées par la pandémie. Le gouverneur de la région de l'Ouest le rappelait encore il y a quelques semaines. Alors, le rebond actuel de la pandémie qui s'observe dans votre cité au-delà, avez-vous posé le bon diagnostic sur les facteurs aggravants de la remontée de la pandémie à l'Ouest Cameroun? Merci de me donner cette opportunité de parler une fois de plus de cette pandémie. Effectivement, notre ville, la région de l'Ouest, occupe cette triste troisième place en termes de remontée des cas de COVID. La délégation régionale de la santé a fait plusieurs réunions et au cours de ces réunions, on a pu établir un peu les facteurs qui occasionnent cette hausse dans la région de l'Ouest. Notamment, il faut reconnaître déjà un peu la tétutesse ou l'insouciance des populations. Il y a également le fait que les populations de la région de l'Ouest voyagent beaucoup. Et aussi le fait que certaines traditions ancrées dans la zone, notamment en termes de funérailles et de deuil dans la région, sont autant de facteurs qui certainement ont favorisé cette résurgence de la pandémie dans notre ville. Voilà, on connaît essentiellement en grande partie les causes de cette résurgence. Et c'est, lorsqu'on connaît la source du mal, on devrait pouvoir savoir ce qu'il y a lieu de faire pour endiguer ce mal-là. Alors, monsieur le maire, quelle est précisément la partition que joue la communauté urbaine de Bafoussam dans cette nouvelle offensive prescrite par le gouvernement pour enrayer cette deuxième vague du Covid? Je rappelle que l'Ouest occupe le troisième rang parmi les régions les plus touchées au Cameroun. Oui, les différentes réunions que nous avons faites avec l'autorité administrative en tête desquelles le gouverneur, il était question de réactiver le dispositif qui nous avait permis d'endiguer la pandémie en 2020. Et c'est ainsi que nous avons déjà passé la commande de plus de 2000 cache-nez. Nous avons également commandé près de 40 000 flyers. Nous avons aussi équipé une de nos voitures avec une sonorisation depuis deux semaines. Cette voiture est en train de faire le tour des quartiers et des villages du département pour sensibiliser les gens par rapport aux mesures barrières. Nous avons également réactivé tous les dispositifs qui étaient dans nos marchés, notamment les comités qu'on avait mis sur pied avec les commerçants et tous les lavements qui, entre-temps, à cause de l'insouciance, étaient avaient négligé, ont été réactivés. Nous avons fait des spots audio et même vidéo pour sensibiliser la population. Et nous avons déjà entrepris des descentes sur le terrain avec le préfet du département de la MIFI. La semaine dernière, nous étions au marché A, nous étions au marché B. Avec la délégation du transport, nous sommes descendus dans les gares routières pour vérifier l'effectivité de l'observance des mesures par les agences de voyage. Voilà, nous sommes conscients que le plus gros problème reste la sensibilisation. Au-delà de l'aide que nous allons pouvoir apporter aux couches les plus défavorisées, nous avons entrepris également avec nos pulvérisateurs et nos atomiseurs
la désinfection des marchés à partir de 16 heures. Donc, il est dans la ville de Bafoussam, nous avons demandé, conformément à l'arrêté que le, à la décision que le ministre du Commerce avait prise l'année dernière, nous demandons que les marchés de la ville soient fermés à partir de 16 heures afin que nos équipes passent non seulement pour le nettoyage, mais également pour la désinfection. Nous avons fait le tour de ces marchés avec l'autorité administrative. Il faut reconnaître qu'on a beaucoup de difficultés parce que les commerçants restent encore très réticents pour observer cette heure de fermeture. Et pourtant, nous pensons que c'est dans leur intérêt. Nos marchés restent les endroits publics les plus fréquentés. Et c'est là où nous pensons pouvoir faire plus d'efforts pour sensibiliser la population. Alors, monsieur le maire, cela va peut-être être ma dernière question. Pour les résidents de Bafoussam et, disons, la région de l'Ouest précisément, de manière globale, qui vous regarde ce soir, quel peut être votre dernier mot, surtout à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore pris toute la mesure de la gravité de cette pandémie? Le message que j'ai pour la population de la ville de Bafoussam, c'est de savoir que la pandémie à coronavirus est revenue et elle est très maligne et plus meurtrière. Je le disais encore la semaine dernière, personnellement j'ai perdu 4 de mes proches. J'ai sollicité la délégation régionale de la santé qui a envoyé une équipe dans mes services pour dépister tout mon personnel, parce que c'est un personnel qui est appelé à accueillir le public. Et laissez-moi vous dire que nous avons détecté dans nos effectifs 4 cas. Heureusement que ce dépistage a été fait à temps et tous ont été mis sous traitement, ils ont été mis en quarantaine. Il est vrai, nous avons encore quelques membres de notre personnel qui refusent de se soumettre à cet exercice, mais à partir de lundi, tous ceux qui ne seront pas testés seront mis en congé technique. Donc je demande à la population de Bafoussam de respecter les mesures barrières, notamment se laver les mains avec de l'eau coulante et du savon à tout instant, ou à défaut, utiliser du gel hydroalcoolique, et avoir toujours son cache-nez lorsqu'on peut se retrouver en public ou lorsqu'on reçoit quelqu'un, parce que là, nous sommes dans la nuit, je suis encore au bureau parce que j'ai dû travailler jusqu'à très tard, mais j'ai toujours mon masque, même comme c'est la nuit, de telle manière que s'il y a des gens qui arrivent à mon bureau, si on doit converser pendant longtemps, je mets mon masque. Donc mon message reste à la prudence et à l'observance stricte des mesures prescrites par le gouvernement et par l'OMS. C'est à ce prix seulement que nous pourrons endiguer cette vague qui est devenue très maligne. Merci, monsieur le maire Roger Tafam, pour votre disponibilité d'être resté au bureau tard ce soir pour nous regarder répondre à nos questions. Merci et bonne continuation dans la sensibilisation et la prévention contre le Covid-19 dans votre communauté urbaine. Pour ça, Sobui, rapidement une réaction sur ces attitudes. On connaissait les compatriotes qui freinaient des quatre fers pour aller faire le test du VIH-SIDA. Et maintenant, on en voit de plus en plus qui ont une peur panique du test du Covid-19. J'ai envie de dire que les spécialistes des sciences comportementales l'expliqueraient mieux que nous. C'est clair que la perspective d'avoir un diagnostic qui n'est pas souhaité peut modifier le comportement. Il faut dire que ça remonte finalement à mars 2020, au début de cette pandémie. La maladie est mal connue. Les dispositions qui sont prises sont des dispositions de très haute sécurité sanitaire. Quand vous devez être testé, vous avez en face de vous des personnes encagoulées. Des cosmonautes. Oui, et quand vous êtes testé positif, vous êtes immédiatement poussé dans une unité d'isolement où vous n'êtes plus en contact avec la famille. Et les soignants que vous voyez, en fait, vous ne voyez pas leur visage parce qu'ils sont totalement encagoulés. Donc, il y a une destruction de l'identité et de l'appartenance sociale une fois que l'on franchit la porte du diagnostic. Et ça, et quand vous rentriez dans ces unités, vous ne saviez pas si vous alliez sortir vivant ou mort. Certains patients qui nous l'ont décrit exactement comme une impression de rentrer dans une sorte de purgatoire, ne sachant pas très bien s'ils vivaient une réalité. Donc, il y a quelque chose qui a été construit
pendant la phase où l'on connaissait pas très bien la maladie et qui est en train d'être déconstruit. Et c'est important que nos compatriotes comprennent que l'on n'en est plus là. Et vous anticipez précisément sur l'axe de ce plateau des communicants. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Daniel Anissé-Noir, sémiologue, communicologue, je peux en rajouter. Bonsoir, professeur. Bonsoir, merci de m'inviter dans ce débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alphonse Atebanoumou, consultant en communication. Alphonse Atebanoumou. Consultant en communication. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Émile Robert. Et puis, Ferdinand Nana Payon, expert en marketing. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Émile Robert Biguina. Et d'abord, le professeur Daniel Anissé-Noir, justement sur le positionnement, le repositionnement stratégique de la communication, qui va un peu dans le prolongement de ce que disait le professeur Sobouy. L'OMS a critiqué la communication telle qu'elle se faisait jusque-là, une communication par la peur. Et l'OMS en a appelé de plus en plus par une communication par la responsabilisation. Et le gouvernement camerounais, sans le dire, semble s'être aligné, réaligné sur cette communication qui diffuse moins de peur et en appelle davantage à la responsabilisation individuelle et collective, avec les limites qu'on voit bien parfois. Qu'est-ce que vous pensez de ce repositionnement de la communication autour de la pandémie? Ben, j'allais dire enfin, et j'étais très, très intéressé de voir que votre panel tout à l'heure, à chaque bout de phrase, parlait du besoin de communication. Parce que, vraiment, je préfère le dire comme ça, je crois que l'aggravation de l'épidémie du Covid vient de ce que la détresse respiratoire a été accompagnée par la détresse fabulatoire, par une détresse de communication. Je viens d'entendre le maire, je viens d'entendre un certain nombre de personnes. Le métier que nous faisons dans la communication est une profession. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire que le maire dit aux gens de porter le masque. Il y a un besoin de médiation. Lorsque, je prends le cas peut être réel ou fictif, le ministre de la Santé passe un certain nombre de messages. Nous, on appellerait ça le casting, le marketing des ambassadeurs. Et à partir de là, il peut changer ce rôle et faire de la communication. Mais nous assistons à une confusion entre la communication politique. Oh, les populations doivent comprendre, oh, c'est le préfet qui a dit ainsi de suite. Les politiques ont leur travail de politique. Nous assistons à une communication d'autorité, à une communication d'urgence, là où les affaires viennent de basculer dans ce qu'un médecin appelait tout à l'heure la mobilisation sociale. Est-ce que, professeur, vous êtes en train d'en appeler à une théorie que vous m'avez enseignée, puisque vous êtes mon enseignant, la théorie du two-step flow of communication, la communication à double étage, qui en appelle donc à mobiliser davantage des relais? Exactement. Nous appelons ça actuellement la segmentation des publics. Ce n'est pas parce que tout le monde est en danger que vous passez un message pour tout le monde. Les citoyens, vous pouvez être ministre, vous parlez aux citoyens. Vous pouvez être ministre, vous parlez aux politiciens, parce que vous êtes dans le même parti qu'eux. Mais à un moment donné, vous parlez aux malades. À un moment donné, il faut segmenter le public. Il y a plusieurs niveaux de segmentation du public avant de parler aux gens. Quelqu'un disait tout à l'heure, si quelqu'un meurt dans votre famille, vous allez faire attention. Ce n'est pas vrai. C'est ce que nous appelons le marketing expérientiel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une expérience qu'il va s'approprier le message. C'est-à-dire que la détresse n'est pas un média. Il y a donc ce que nous appelons la communication créative, la créativité en communication. Pour parler à telle personne, j'élabore mon message de telle manière, dans tel média, parce que ça correspond à son profil. Pour parler à telle personne, j'élabore mon message dans tel. Vous avez dit, il y a des débats sur la maladie. Pour parler de la maladie, on parle
la maladie par rapport au malade. Et le malade a des attentes. Le malade n'est pas seulement malade. Le malade est ancré. Nous appelons ça les ancrages fictifs. Je prends juste l'exemple. Vous avez vu le président Macron. Je vais vacciner tout le monde. Ça, c'est-à-dire qu'il commence par dire comme ça en disant « Mais en fait, le vaccin est volontaire. On ne va pas obliger les gens. » Après, je trouve que les vieillards doivent être vaccinés. Après, je pense que les médecins vont accepter d'être vaccinés. Je veux dire, c'est comme ça que vous prenez les gens. Segmenter, cibler. En segmentant, en ciblant et en créant des messages qui vont construire le destinataire. Majesté Alphonse Atebandou, j'aimerais vous entendre aussi sur cette segmentation, cette ciblage, cette communication à double étage qui doit mobiliser des relais. Oui, Aimé Robert, enfin, je pense que quand le grand maître a parlé, on n'a pas grand-chose à ajouter. Je voudrais simplement apporter une nuance qui est le piège de cette affaire. Ce qu'il convient de comprendre, c'est que l'administration, dans le principe même de son fonctionnement, doit parler, doit écrire, doit se donner à voir, doit se donner à entendre. Mais nous ne sommes pas encore en communication. Nous sommes dans le travail normal de l'administration. Le péché ici, c'est de croire que quand l'administration se donne à voir, se donne à entendre, écrit ou parle, on est en train de communiquer. Parce que la communication, malheureusement, est une science. Qui dit quoi à qui, par quel canal, pour quel objectif? Notamment dans le cas où nous sommes ici, qui correspond un peu à ce que le prof a appelé la communication politique, la communication institutionnelle. On adresse ce message à une cible bien identifiée avec l'intention de provoquer un résultat spécifique. Ce que l'administration publique fait, elle informe. Informer, c'est informer. La communication, par contre, elle forme parce qu'elle donne l'information pour provoquer une réaction, pour provoquer un comportement. Donc, il faut commencer par ce distinguo entre le travail classique de l'administration qui va avec la parole, qui va avec l'écrit, qui va avec l'action, la démonstration publique, et le travail de la communication qui est quelque chose de plus élaboré, qui a besoin d'être conçu parce qu'il est traçable avec des inputs connu pour des objectifs attendus, mesurables, qu'on peut identifier à la fin. De sorte que lorsqu'on parle, l'administration publique parle, les pouvoirs publics parlent, ils sont en train de faire l'administration. On n'est pas encore en communication. C'est ça qui donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Ce résultat, c'est quoi? C'est que l'opinion perçoit quoi? La Covid, on peut guérir, on peut mourir. Le vaccin va nous donner des molécules. Après, les tradis praticiens peuvent soigner. Après, les pasteurs peuvent soigner. Des faiseurs de miracles peuvent soigner. Disant tout ceci au même moment, à travers les mêmes médias, parce que tout ce monde-là passe par les mêmes médias, ce que le gars retient, c'est que comme tout cela est possible, je pense ce qui me convient. De sorte que celui qui a l'habitude d'aller chez le tradit praticien va prendre la potion de grand-mère. Celui qui a un frère médecin va aller à l'hôpital. Celui qui se soigne, je ne sais plus trop comment, par la rue, parce qu'à aucun moment, le message amont n'est clair. La cible n'est claire. L'objet même du message n'est clair. C'est tout cela qu'il s'agit d'élaborer avant de parler de communication. Voilà un peu le premier commentaire qu'on peut faire après avoir écouté le professeur Noir. Alors, est-ce que le marketing, qui parfois fait de la magie hein, pour les profanes, parce qu'ils transforment parfois des objets indésirables à des objets extrêmement convoités qui deviennent attractifs pour tout le monde. Aux États-Unis, on parle aujourd'hui du marketing vaccinal parce qu'on développe toutes sortes de stratégies pour attirer, appâter les gens, amener les vaccinations. Ferdinand Napaillon, est-ce que vous qui êtes un créateur, on connaît au Cameroun ces dernières années, est-ce qu'il y a des recettes comme ça là, de marketing que vous pouvez partager avec nous pour justement repositionner les Camerounais, faire adhérer davantage les gens? Heureusement que quand vous avez parlé de magie, vous souriez, vous rigoliez et que les gens ont compris que c'était une blague. Je pense que, comme a dit le professeur et Sa Majesté, la communication ou le marketing ou la médecine ou le journalisme, c'est un métier. C'est un métier qu'il faut essayer de faire et avoir beaucoup d'humilité. Je voudrais parler de la communication du point de vue marketing. En marketing, communiquer, c'est écouter, c'est-à-dire observer, s'orienter, regarder.
et faire des propositions d'ajustement. En quelques secondes, je vais vous raconter des erreurs faites par des grosses firmes. Tous les jours, on en fait, comme on en a fait aussi chez nous. Il y a une entreprise, Colgate, pardonnez-moi de la citer, qui avait des difficultés à la fin des années 80 parce que ses ventes ne montaient plus. Elle se faisait grappiller ses parts de marché et elle pensait que, à l'époque, on parlait de concurrence directe et concurrence indirecte. Elle pensait que ce sont ses concurrents directs qui lui prélevaient ses parts de marché, alors qu'il se trouve que c'est des chewing-gums, Hollywood chewing-gums, parce que 50% de jeunes Français, à l'époque, ça a baissé encore maintenant quand même, 50% de jeunes Français ne se brossaient pas les dents le matin et mangeaient des chewing-gums parce que le chewing-gum, ça rafraîchit la laine, il y avait des spots publicitaires, 36e image, etc. Et Colgate a lancé une pub, une grande campagne de distribution, ils ont fait du marketing direct, des campagnes télé pour dire que c'est bien, il faut se brosser les dents, etc. Ça n'a pas marché. Finalement, on a dit, mais écoutez, il faut évaluer ce qui est fait. Allons, mettons en place les fondamentaux. Quel est le problème? Allons voir, et les cibles polymorphes, on les a segmentées, et on est allé faire une étude, on s'est rendu compte que non. En fait, les gens ne se brossent pas les dents parce qu'il y a un sociologue qui parlait tout à l'heure. Le style de vie, c'est-à-dire les attitudes et les habitudes des jeunes Français font que 50% ne se brossent pas les dents. Vous ferez toutes les pubs que vous voudrez, ils ne se brosseront pas les dents. Qu'est-ce qu'ils ont donc décidé? Ils ont dit, écoutez, il nous faut augmenter les parts de marché, sinon on est mort. Ils ont donc décidé de fabriquer des brosses à dents en augmentant le poil. Et en faisant de la publicité, en allongeant sur toute la partie de la poêle le dentifrice. Du coup, il y a eu une augmentation de près de 5% de parts de marché. Voilà donc la magie dont vous parliez tout à l'heure. Quand vous regardez M. Aimé Robert Biina, les matins, quand vous sortez de chez vous, sur les motos, le professeur Sopku va me dire si je me trompe, quand vous regardez les jeunes sur les motos, et qu'on vous explique qu'à l'extérieur, on n'attrape pas le Covid, parce que la salive, lorsqu'elle sort de votre bouche, elle va au ciel. Je ne le pense pas. Quand je suis sur une moto et que je parle, là, ce que je postillonne va derrière, parce que le vent souffle vers moi. Et donc, du coup, les deux ou trois qui sont derrière attrapent. Ils vont dans la salle de classe, ils s'embrassent, ils se serrent les mains, ils rentrent à la maison le soir et ils contaminent la famille. Mesure barrière, OK. Mais les masques, vous mettrez les masques à 10 francs, il y a des gens qui ne les achèteront pas. Je pense qu'il faut mettre le pied dans la termitière, il faut donner un coup de pied pour dire arrêtez de demander aux gens de mettre des masques parce que c'est déjà un exploit qu'on en mette. Moi, j'en mets depuis un an et ça ne me dérange pas. Si vous m'aviez permis, je l'aurais gardé sur le plateau, ça ne m'aurait pas rendu malade pour autant. Eh bien, offrez des masques, trouvez des solutions, faites ce que vous voulez, mais trouvez des solutions pour que les gens portent des masques. Et des solutions, il y en a. Parce que si on peut offrir des paquets minimum aux écoliers, c'est parce qu'on veut qu'ils réussissent. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez dans le fameux livre « La peste » de Camus, où on parlait de 40 000 rats morts. Et on les trouvait dans les ascenseurs, on les trouvait partout, même dans les grands hôtels. Et les journalistes même se plaignaient que ça devenait la chronique, qu'on ne parle plus d'autre chose, comme en ce moment, on ne parle plus que d'autre chose. Donc, il faut que les gens comprennent que la situation est tellement grave. La situation est tellement grave qu'il ne s'agit plus de s'asseoir et de dire oui, on va communiquer, on va faire des spots, on va mettre des véhicules pour faire de la... Non, il faut trouver des solutions. Et de mon point de vue, très humblement, je pense que... Moi, je crois, professeur, qu'il faut faire un peu peur aux gens. Quand on met les radars sur la route et qu'il y a des gendarmes qui sont là à 3 km, qui vous attendent avec un petit bout de papier et le numéro de votre voiture, lorsque vous allez avancer, lorsque vous êtes sorti de ce radar et que vous avez sorti les 25 000, vous faites un peu plus attention. Vous faites un peu plus attention. Quand vous voyez, n'en déplaise à Enéo, à tous les carrefours où il y a des feux tricolores, il y a toujours des policiers. Ce n'est pas parce qu'il y aura coupure d'électricité. C'est parce que les Camerounais ne respectent pas les feux. Ils arrivent au feu. Mais au moins, ils ont peur de la police. Oui. Donc, il faut que, lorsque le chauffeur de taxi, comme celui que j'ai vu tout à l'heure, n'a pas de masque, eh bien,
Il n'y a peut-être pas assez de place, mais les parkings de Stade Omnisports et dans toutes les villes, il y a des grandes places. On peut les mettre en fourrière. Parce que si on ne le fait pas, eh bien... Alors, donc pour vous, il faut par exemple distribuer les masques. Mais est-ce que vous avez beaucoup d'outils en marketing? Est-ce qu'on peut les appliquer? Les 4P, les AIDA, attention, intérêt, désir, action, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dupliquer ça à une crise oui, comme celle-ci? Oui. Alors, moi, j'irai même au-delà des 4P, je parlerai des 4C et ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de communication, qui est l'un des 4 variables qui était de 4P au lieu de promotion, moi, j'ai appelé ça communication, c'est quel est le problème? What is the problem? Et quel est le problème à résoudre? Le problème à résoudre, c'est d'amener les gens à changer de comportement. Lorsqu'on parlait du sida, on disait... Arrêtez de faire l'amour. Alors, vous vous rendez compte qu'on demande à des mammifères en âge de faire l'amour, de ne pas faire. On leur demande de ne pas faire. C'est impossible. Par contre, si on disait aux gens, écoutez, mettez des préservatifs. À l'époque, Aimé Robert, j'avais organisé avec un groupe d'amis, avec des parapentes à moteur qui étaient venus des quatre coins du monde, on faisait des largages de préservatifs dans les villes. Parce que nous trouvions que on marquait le pas alors que les gens avaient besoin qu'on marque les esprits. Donc, on a imaginé un truc comme Red sur Entebbe. On a dit, voilà, on va larguer les préservatifs. Les préservatifs comme des bombes. Il y a une boulangerie dans un quartier de Yaoundé. Lorsque vous arrivez, il y a un jeune homme qui fait un peu comme votre collaboratrice, là, qui vient désinfecter, parce que les téléspectateurs ne voient pas ce qui se passe. Mais mon prédécesseur, au cas où il aurait laissé quelque chose sur cette table, eh bien, vous avez pris le soin de passer. Mais si vous le faites chez vous, les gens vont vous détester. Les gens vont trouver que, bon, mais qu'est-ce qu'il monte là? Qu'est-ce qu'il veut... Alors que vous êtes en train de protéger tout le monde, puisque la personne qui est invitée sur votre plateau n'est pas venue pour ramasser un virus. Donc, moi, je pense qu'on peut copier ce qui se fait, faire du benchmark, mettre sur un banc d'essai ce qui se fait ailleurs. Et je parlais de ce monsieur de la boulangerie. Lorsque vous arrivez, il vous accueille. Pendant que vous descendez de votre voiture, il prend du gel hydroalcoolique, il le met sur une éponge, il nettoie les quatre portières, les poignées des portières de votre voiture. Il ne vous demande pas un franc, mais quand vous allez dans une station-service, qu'est-ce qu'on fait machinalement? Parce que c'est ce qu'on fait depuis le début du monde. Eh bien, on vous nettoie la vitre. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien arriver dans une station-service, plutôt qu'on me nettoie la vitre, parce que j'ai le lave-vitre, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Mais qu'on me mette du gel sur les poignets. Et puis les ministres, tout à l'heure, vraiment, je finis là-dessus, que les personnels du ministère de la Communication ne m'en veuillent pas. Je suis pas en train de chercher du boulot là-bas. Mais j'estime quand même que quand on a un monsieur brillant comme le ministre Sadi, on peut lui inventer un certain nombre de choses. Il y a des grands agrégés de communication qui travaillent au ministère de la Communication. On peut imaginer de proposer au gouvernement que, au lieu de faire des descentes dans leur village pour le compte de leur parti politique, là je ne vise pas seulement le RDPC, hein, parce que M. Chiroma, qui n'est pas du RDPC, fait des grandes descentes, au lieu de faire des descentes uniquement pour leur parti politique, faites une descente dans votre localité, restez au grand carrefour, faites venir des jeunes et dites-leur, aujourd'hui, nous allons expliquer que mesure Bayer, laver les mains, distanciation, port du masque. Et vraiment, je pense que ça va marquer les esprits et les gens vont comprendre que ils sont en train de faire quelque chose qu'on appelle, dans un autre métier, du marketing direct. Ils sont allés directement toucher les gens. Si on gagne une personne, ce sera en une personne de moins qui ira voir les services du professeur. Alors, le professeur Daniel Anissé-Noir, Majesté Alphonse Atteman Doumoula a amorcé tout à l'heure sur le message qui est ambivalent. Il y a également cette théorie qui doit simplifier le message et proposer la théorie de la proposition du message unique. Mais on a l'impression d'attendre toujours un message ambivalent parce qu'on dit tantôt, on dit c'est grave. Tantôt, on dit que ce n'est pas si grave. D'ailleurs, le taux de létalité est très faible. Et effectivement, on est dans un en même temps, pour parler comme le président français, qui déroute, effectivement. Je pense, comme disait un médecin tout à l'heure, que nous sommes sur tellement de plateformes avec le Covid.
Je connais des gens en marketing social qui ont travaillé sur le sida. Il paraît que parfois au ministère de la Santé, on a reconduit des programmes de plans de risque ou des programmes de communication qui concernaient le choléra ou je ne sais pas, Ebola. Je crois que le Covid a un profil de maladie inédit. D'autant plus que maintenant, la prolongation que nous avons, c'est ça qui fait réveiller l'OMS, enfin, pour donner des consignes sur la communication. Le fait que nous avons des nouvelles vagues, on a des variantes, etc. Cela fait quoi? Cela fait que nous pouvons bien envisager ce que vous appelez des messages uniques, mais aujourd'hui, les techniques de communication privilégient la réception. Et parfois, la réception est valuable. C'est-à-dire, quand j'ai porté tel message, après tant de temps, dans telles circonstances, comment les gens ont réagi? C'est cela qui me fait dire que la communication créative est là. Il y a des experts. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, je ne demande pas cet emploi-là, mais je peux quand même orienter. Il y a des experts. Quand je vois comment les messages, c'est bien, je vois sur la CIA TV tous les soirs, on interviewe un médecin. Le journaliste a appris la technique d'interview, j'espère que le médecin aussi. Mais quand je vois cette production-là, je n'en vois pas la performance. Donc ce que je veux dire, mais vraiment, je le dis comme un plaidoyer parce que j'ai l'occasion d'être ici et que je suis quand même un aîné dans la société. Je pense que ça ne peut pas continuer que le ministère de la Santé ait un comité de médecins qui suit en urgence les problèmes du Covid. C'est important, les médecins. C'est important, les chercheurs, qu'ils suivent les questions du Covid. Mais ils nous parlent avec des statistiques, etc. Je pense que rien n'est possible s'il n'y a pas un comité qui suit les problèmes de communication. Pourquoi le maire de Bafoussam, je vais dire que bon, le mur des lamentations, hein, que tu prends ta guitare, tu chantes le blues, je pleure beaucoup, les gens ne veulent pas porter les masques. On a entendu déjà le blues là. On veut savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et il y a des techniciens qui fonctionnent, et Nana Payon le sait, ils fonctionnent par projet. On dit le projet de vaccination. Qu'est-ce qui se passe avec la vaccination? Vous avez entendu le journaliste tout à l'heure. Elle faisait une synthèse sur le Covid. Et elle dit, et les Américains disent que le Sinchokam, le truc chinois, n'est pas performant. Monsieur Aimé Robert Bigina, nous avons là changé de domaine de problématique. Tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes en géopolitique. Tout à fait. Dans cette histoire de vaccin. Vous pensez que les Américains vont dire que le vaccin des Chinois est performant? Donc, à partir de là, voilà des mastodontes qui entrent dans un débat qui dépasse le commun des mortels qui pensent que, en fait, que ce soit AstraZeneca, machin, ils vont être là pour stériliser ses enfants, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut être sérieux. Maintenant que le problème est sérieux, il faut des techniciens de communication qui évaluent les projets et qui en rendent compte et les testent. C'est-à-dire que le public sache que quand on dit que l'autre dit que tel vaccin est moins bon que l'autre, quand on pose la question, quand on dit qu'un vaccin va seulement immuniser à 57%, que deviendra le reste? Il faut que les gens posent ces questions et que non seulement on leur propose des réponses, mais qu'on les informe sur la manière avec laquelle on peut recevoir cette information et s'approprier le comportement qui est souhaité. C'est ça l'agir communicationnel. L'agir communicationnel, c'est-à-dire que la communication, comme l'a dit Alphonse Atebandoumou, ce n'est pas seulement de dire « j'ai déjà parlé, je suis sûr que vous avez entendu ». L'agir communicationnel calcule avec des livrables, calculables, le résultat
par rapport à ce que vous avez livré. Alors, le temps passe malheureusement très vite, mais Alphonse, rapidement, sur, je voulais aborder avec vous rapidement une autre théorie sur l'agenda médiatique. Est-ce qu'on n'a pas aussi, dans la quête de l'adhésion, le problème de l'agenda médiatique? Parce qu'on voit ailleurs comment on a fait vraiment du Covid l'ennemi public numéro un. Or, chez nous, en ce moment, il y a beaucoup de problématiques qui se télescopent. On parle des coupures de l'excès des néos, on parle de l'attente du remaniement, on parle de la guerre de succession SIF. Alors, finalement, le public a l'impression que on est revenu à la vie normale, que le Covid... Je pense que le professeur Noir a dit quelque chose d'important tout à l'heure, et le professeur Tétanier un peu avant lui. Si nous prenons modèle sur ce qui se passe dans un autre territoire, territoire militaire, lorsqu'il y a la guerre, on commence par, j'allais dire, sécuriser toutes les libertés. Et d'abord les libertés publiques. Tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Si le Covid est une guerre, on ne peut pas laisser tout le monde en dire ce qu'il veut, comme ça se voit aujourd'hui. Sur les mêmes plateaux de télévision, sur les mêmes heures de grande écoute, le pasteur passe le matin, le tradit praticien passe l'après-midi, puis le professeur Sobgui passe, et puis le ministre passe. De sorte que, pour les gars qui perçoivent ce type de message, on dit tellement de choses sur le même objet, qui au demeurant demeure insaisissable, puisqu'on nous dit par ailleurs qu'il a plusieurs variantes, il a plusieurs origines, un coup il se soigne, un coup il ne se soigne pas, on dit tellement de choses. De sorte que on sombre dans un flou total qui permet à la sphère médiatique d'accompagner cette diversité. Parce que les médias accompagnent, ils n'inventent pas une réalité que le décideur, les détenteurs de l'agenda public, eux-mêmes n'ont pas pris la précaution véritablement de modéliser. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'au niveau des détenteurs de l'agenda public, que la question de la Covid ou du Covid, c'est selon, soit dans un premier temps érigée en une cause nationale majeure sur le modèle militaire, qu'on en modélise les enjeux de sorte à coloniser toute la médiasphère et à lui fixer un cap d'action, j'allais dire calcable, sur les exigences militaires. Tant que, comme vous le dites, le Covid est géré à côté du gouvernement, à côté je ne sais plus trop quoi, et ça devient une actualité ordinaire. On ne peut pas reprocher aux journalistes de ne pas accompagner l'ensemble de l'actualité, tant et que toutes les choses sont égales par ailleurs. Alors, vous allez conclure, Ferdinand Manapayon, malheureusement, le temps passe très vite, il est 23h05, et on a encore deux derniers tableaux, avec notamment l'ancien gouverneur Abaka Amat, qui nous fait l'amitié d'être là, avec lequel on va aborder précisément les problématiques liées à la répression, beaucoup en ont parlé. Et il faut comparer les éléments cognitifs par des éléments coercitifs. Si les deux ne vont pas ensemble, comme le soulignait Ferdinand tout à l'heure, les gens continueront de faire comme ils veulent. On le verra tout à l'heure, c'est le prolongement de votre plateau spécial. Ferdinand en a parlé d'abord, et puis vous allez pouvoir placer un mot dans ce plateau des communicants. Pour conclure. Je n'ai rien à dire, Aimé Robert. Moi, je suis... Vous savez, chaque matin, quand je sors de chez moi, chaque matin, je regarde le nombre de gens qui portent des masques. Et je me rends compte qu'il y a eu un laisser-aller. Mais il faut quand même comprendre une chose. Si se définir une stratégie, c'est se fixer des objectifs sur un horizon de temps donné, le Covid ne nous a pas dit pour combien de temps il était là. Voyez-vous, quand vous gérez par exemple une force de vente, vous savez qu'on va faire une promo pendant 3 mois, vous savez comment vous la gérez, un match de foot de 90 minutes, le coach il sait comment il gère l'équipe. Ça, à la décharge de tout le monde, on a baissé un peu les bras parce que vraiment il n'y avait pas un horizon, on ne savait pas qu'on le mettait pour une heure de temps. Alors maintenant c'est reparti des plus belles et très fort. Il faut trouver ce que vous disiez tout à l'heure, là, il faut trouver la magie. Si on ne trouve pas la magie, moi, il ne se passe pas un jour sans que je n'apprenne que quelqu'un que je connais est décédé. Quand je venais tout à l'heure, j'ai pris des notes ce matin. J'ai dit, je vais faire ma vantardise sur le plateau de connaisseurs, 747 morts. Non, 830 et tout. Et le professeur Tétanier dit, non, pas 3 millions dans le monde. Il dit, il faut compter le double chez nous. Et quand vous arrivez au deuil... Vraiment, je le dis pour les nôtres.
N'en voulez pas à ceux qui ne vous serrent pas la main. N'en voulez pas à ceux qui ne vous embrassent pas. Moi, on m'a obligé une embrassade. J'avais un masque. On ne me prend pas dans les bras. On dit, c'est toujours le Covid là que tu fuis. Et ça, les gens vivent ça tous les jours. On n'a pas deux vies. Je pense qu'il vaut mieux le dire. Essayez de respecter ce que les autorités sanitaires nous donnent comme prescription. Distanciation, port du masque, lavons-nous les mains. J'ai les doigts qui sont complètement moites parce que elle-même cesse de mélanger ce message simple et clair avec d'autres messages sur les querelles des firmes, sur les difficultés à identifier la Covid, parce que c'est trop de choses qu'on dit. Finalement, l'habitant, le malade ne sait plus quoi retenir. Donc, professeur, j'ai peur. Mais, alors, puisqu'il fallait que je dise quelque chose, alors je voudrais justement convoquer ce qui est ma discipline dans le champ de la médecine. Je m'occupe essentiellement donc d'endocrinologie, du diabète. C'est les maladies chroniques. Les maladies chroniques ont ceci de particulier qu'elles sont là pour le reste de la vie. Et il faut adapter le mode de vie pour pouvoir y faire face. Aujourd'hui, nous avons une épidémie qui est arrivée. On a eu l'impression que ça allait être quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, elle est communautaire et elle pourrait mettre long. Et justement, en matière de communication pour le changement dans les maladies chroniques, il n'est pas question d'administrer des sermons à la personne que vous avez en face de vous. Il est question de la faire rentrer dans un projet thérapeutique. Aujourd'hui, il est question de faire rentrer notre société dans un projet de vie avec le ou la COVID. Comment est-ce que nous allons transformer notre mode de vie pour que, si ça devait persister pendant très longtemps, que l'on vive heureux malgré les mesures de prévention. Et ça, c'est très important. Comment vivre heureux avec le masque? Comment vivre heureux sans se tenir la main, etc., etc. Ça, il va falloir effectivement l'inventer, il va falloir le construire ensemble. Il va falloir le construire ensemble. Et ça, le vécu de la maladie chronique, c'est quelque chose qu'il va falloir convoquer ici. Parce que souvenons-nous, le VIH, ça a été la même chose. C'était traité comme une maladie aiguë. Aujourd'hui, on fait 20, 30, 40, 50 ans avec le VIH. Et il faut modifier les modes de vie pour vivre avec. C'est pour ça qu'on ne dit plus les malades du sida, on dit les personnes vivant avec le VIH. Puisqu'on voilà. Vit avec. Mmh. Alors, permettez-moi de remercier Ferdinand Anapayon et Alphonse Teba Ndoumou. Merci pour vos contributions. On aura forcément d'autres plateformes pour profiter encore davantage de votre expertise. Vous allez céder vos sièges au professeur Paul-Évic Batchom et au gouverneur Abaka Ahmad pour l'avant-dernière séquence de cette émission qui va se faire l'écho de certaines voix qui se veulent insistantes et en appellent de plus en plus à la répression. Une répression agitée en son temps par le Premier ministre chef du gouvernement en mars 2020 pendant la première vague. Il avait convoqué l'article 260 du Code pénal. On va le voir en tableau. Je voulais rappeler ce que dit cet article 260. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Celui qui, par sa conduite dangereuse, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. Ce que dit dans l'article 260 du Code pénal, donc, est puni d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Celui qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. On avait donc pensé, pendant un moment, que le gouvernement allait mobiliser cette disposition du Code pénal pour passer à la répression. Entre-temps, le gouvernement a changé de fusil d'épaule. La preuve par le chef de corps de la police, le délégué général à la sûreté nationale. On parle de plus en plus de responsabilisation. Et pour la peur du policier ou du gendarme, repasser plus tard. Je vous propose de l'écouter. Nous avons... Lorsque nous nous sommes retrouvés ici l'année dernière, nous avons fait une enquête pour savoir
pourquoi les Camerounais ne portent pas de masques? Cette enquête, je l'avais dit, avait porté sur 4000 personnes. Parce qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Et il y en a qui c'était une importation occidentale. Et il y en a qui ont dit que leur religion, ne leur permet pas de porter le masque. Après une période d'accalmie, aujourd'hui, ça remonte dangereusement. Si nous ne prenons pas conscience de notre responsabilité individuelle, nous courons vers un risque national. Le ministère de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires, développer tous les moyens appropriés, mais s'il n'y a pas l'autodiscipline personnelle, eh bien, je crois que les efforts seront vains. Il n'y aura pas ni gendarmes ni policiers à côté de chaque citoyen camerounais pour faire respecter les mesures barrières. Ce ne sera pas possible. Chacun doit savoir, c'est au moins ce que la nation, le pays lui demande. Et dans cet avant-dernier tableau de cette émission spéciale Covid-19, le long combat, j'ai le plaisir d'accueillir le gouverneur Abaka Ahmad, autorité administrative chevronnée, ancien gouverneur des régions, auteur prolifique. Je voudrais rappeler son livre biographique « Audace d'être différent » où l'on lit la vaste et riche expérience de cet administrateur, de cette autorité administrative chevronnée. Bonsoir Monsieur le gouverneur et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. Merci d'être venu promptement à cette émission. Je voudrais trahir votre modestie en disant que vous séjournez dans la région de l'Est du pays et vous avez accepté de venir uniquement pour nous, pour partager votre expérience avec tous les Camerounais. Merci d'être venu pour nous et pour les téléspectateurs. Et j'ai également le plaisir d'accueillir le professeur Paul Elvik Batchom, agrégé de sciences politiques. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Robert Vihina. Merci de m'accueillir. Alors, la question centrale dans ce tableau, c'est l'enjeu de la coercition où, manifestement, ce qui en appelle à une répression tous azimuts, devront encore ronger leurs freins. Le gouvernement en appelle davantage à l'autodiscipline, avec, avouons-le, les limites que nous tous nous constatons. Et nous voulons donc convoquer l'expérience de l'homme d'expérience que vous êtes, si j'ai pu le dire ainsi, dans les régions que vous avez dirigées. J'ai lu votre ouvrage, je pense à la région du Nord-Ouest, c'était bien avant cette crise aujourd'hui. Vous avez dû gérer des crises, vous avez su manier la carotte et le bâton, vous avez su faire adhérer des gens à des causes sans forcément mettre un policier, un gendarme derrière eux. Que peut-on faire là, maintenant, pour faire adhérer le plus grand nombre, notamment à ces mesures barrières qui peuvent nous sauver la vie? Merci. Je crois que il faudrait que les autorités administratives phase de la sensibilisation. La sensibilisation, pour moi, actuellement, c'est la meilleure stratégie à mener sur le terrain pour pouvoir faire adhérer les populations. Mais cette sensibilisation doit être adéquate, elle doit être efficace, elle doit être efficiente. L'autorité administrative doit se rappeler que pour sensibiliser les gens, elle va s'adresser à la population. Et pour s'adresser à la population, il faudrait qu'elle convoque quelques rappels utiles, à savoir se convaincre de ce que l'orateur qu'elle est, et
un communicateur, entre guillemets, parce que j'ai entendu les définitions de communicateur tout à l'heure. Mais je voudrais rappeler que l'autorité administrative dans une unité est cette personne dont la présence rassure, dont le regard apaise et dont la parole réconforte. Et c'est pour cela que son action de sensibilisation est importante. Elle devrait aussi se rappeler que pour sensibiliser, il faudrait qu'il y ait un sujet. Et ce sujet doit être maîtrisé. Il doit être bien compris d'elle-même d'abord. Or, nous avons suivi les premiers orateurs parler ici de termes très techniques. Or, ces termes très techniques ne se comprennent que par eux. Ils ne peuvent pas aller se présenter aux populations et leur parler de Covid, je ne sais plus quoi, et des termes trop techniques. Il faudrait donc que... Or, l'autorité administrative elle-même, elle n'est pas spécialiste de la pandémie. Il faudrait donc que les responsables sanitaires lui expliquent exactement qu'est-ce qu'il y a à faire et elle pourra donc aller s'adresser aux populations. Et si jamais elle a des doutes, il faudrait donc qu'elle fasse appel à des gens qui sont acceptés dans la communauté. Les gens, tout à l'heure, ont parlé des hommes politiques, etc. Ce n'est pas nécessairement ceux-là qui vont se faire entendre. Il faudrait donc qu'on s'adresse à ces populations-là au travers des personnes qui sont acceptées, qui sont... Alors, j'allais justement vous relancer là-dessus. Les autorités administratives ont une grande force d'attraction et une ingénierie dans l'utilisation des relais. On sait que vous avez souvent mené plusieurs campagnes, que ce soit les campagnes d'hygiène et de salubrité, des campagnes à un moment même de collecte des impôts, où vous mobilisez des relais, des chefs traditionnels, des notables, des ci ou de ça. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette ingénierie que les autorités administratives ont? On est bien obligé de les utiliser. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu les spécialistes de la communication parler de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'ils devraient faire dans leur, sur leur pan là. Mais pour la sensibilisation, les autorités administratives qui doivent descendre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, doivent se faire accompagner des gens qui sont acceptés. Et vous savez, quand une autorité administrative arrive quelque part, elle est accompagnée d'un certain nombre de collaborateurs qui sont dans un concours d'ego. Chacun veut montrer qu'il est plus important que l'autre. Et cela, parfois, capte l'attention du public qui oublie qu'il y a un message important à suivre. Donc, quand l'autorité administrative est en train d'aller s'adresser aux populations, il faudrait qu'elle maîtrise et son sujet, et qu'elle sache à quel public elle s'adresse. Est-ce que ce public est un public apeuré? Est-ce que c'est un public qui est traumatisé? Est-ce que c'est un public qui est prêt à écouter ou qui n'est pas prêt à écouter, etc., etc. Donc, l'autorité administrative doit sensibiliser, et pour sensibiliser, elle doit convoquer des techniques des techniques de discours qu'elle doit connaître pour permettre que le message passe plus facilement. Un discours, ça ne s'improvise pas. Un discours, ça se prépare. Il faudrait donc que l'autorité prenne les informations techniques chez les techniciens, les transforme et pour pouvoir être plus convaincante. Alors, professeur, moi, je voulais vous interroger. J'avoue que, personnellement, et mon avis ne compte d'ailleurs pas, je n'arrive pas à me faire à cette idée d'autodiscipline, d'autoresponsabilisation, parce que je pense à la sagesse populaire qui dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, parce que j'ai lu un auteur, Georges Balandier, dans Anthropologie politique, qui postule qu'il n'existe aucune société où les règles soient automatiquement respectées, sans coercition. Vous avez raison. D'ailleurs, l'homme est porté naturellement à contrevenir à la loi et aux règles. Mais
Je voudrais embrayer sur ce que disait M. le gouverneur. La sensibilisation, et à la suite de M. Degué, général national, la sensibilisation n'est pas une marque d'impuissance de l'État en l'espèce. C'est une solution réaliste. Il se trouve que s'il y a un mot qui peut définir le mieux ce que nous vivons, c'est la complexité. Nous avons affaire à une crise complexe. En général, l'État assure l'allocation des biens autoritaires. Mais cette perspective-là, elle est bien aujourd'hui impertinente. Dès lors où on se rend compte que si on prend le cas spécifique du Cameroun, nous sommes dans un contexte avec un brouillage, je dirais même une complexité, une diffusion de problématiques. On a la problématique sécuritaire, on a les questions politiques. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de problématiques qui se chevauchent. Dans ces conditions, l'État peut-il se permettre d'imposer une conduite? Vous avez vu que même dans les pays très développés, on a toujours eu un dilemme entre l'état d'urgence sanitaire et les droits de l'homme. Et nous avons notre contexte très frileux actuellement où la moindre disposition gouvernementale va être taxée d'anti-droits de l'homme. Donc du coup, dans ces conditions, on ne peut que parier sur la discipline. Sauf que je suis d'accord avec vous, le Camerounais est un être à part. Est-ce qu'on peut avoir de lui une discipline, une autodiscipline parfaite? Je ne pense pas. C'est pour cela que le panel qui nous a précédés a mis l'accent sur la communication. Il faut peut-être communiquer. Mieux communiquer. Mieux communiquer parce que la sensibilisation suppose d'abord que les sujets sachent de quoi il s'agit, comprennent la gravité de la situation et puis aient une bonne représentation des dangers de la situation. Mais j'ai l'impression que de ce point de vue, il y a eu brouillage du message avec la baisse des tendances. Manifestement, sans être spécialisé, on a l'impression qu'on est dans une autre vague. Mais avant cette vague-là, on a eu l'impression que les choses allaient dans la normalité. On a d'ailleurs dit qu'on avait maîtrisé la pandémie. Eh bien, cette perspective... N'est-ce pas pour ça, il y a eu des choses, justement, qui ont été dites. Mais, cette perspective, justement, a poussé à un relâchement de ce qui aurait été l'autodiscipline antérieure. Maintenant, il faut... Et cette émission, elle est bien tombée parce qu'elle remet au centre de l'attention la gravité de la situation pour que les gens, précisément, comprennent qu'il s'agit de se remettre dans les dispositions mentales de la période de mars 2020 ou bien des mois qui ont suivi. Parce que manifestement, nous avons tous relâché d'attention, pensant que le mal était derrière nous. Alors, pour ça, Daniel, moi, je voudrais poser la question autrement. D'accord pour l'autodiscipline, pour la sensibilisation, mais est-ce que nous avons vraiment fait aujourd'hui le maximum de ce que nous pouvions faire comme mesure sans aller au summum qui est le confinement, étant entendu qu'on est tous d'accord que l'organisation de notre économie informelle à 90% ne nous permet pas de risquer un confinement à l'européenne. Mais hormis cette mesure extrême, est-ce que vous pensez que nous avons vraiment fait le maximum en termes de restrictions? Je vais peut-être parler de l'administrateur, mais je dis toujours que ce n'est pas mon domaine. Parce que quand je suis dans mon domaine, je suis complètement professionnel et je dis des choses irréfutables. Mais je voudrais quand même dire que je crois que l'administrateur camerounais est en même temps un homme politique. Et que les mesures qui ont été prises étaient dans la mesure où elles étaient, comme on dit, les ordres les mieux donnés sont ceux par rapport auxquels la personne qui donne les ordres est consciente qu'on va les exécuter. Donc, comme vous dites, il y avait des mesures qu'on pouvait vraiment mettre en œuvre et il y avait d'autres. On avait l'impression que les gens ont dit qu'on a maîtrisé le Covid, etc. Pour moi, dans mon appréciation, c'est simplement que la première communication était une communication de crise. Parce que et les médecins, et les politiciens, et les administrateurs ne leur en déplaisent. Tout le monde a pensé que c'était une crise. Et donc, comme on dit chez les gens qui ont des revolvers, ils ont épuisé leurs cartouches à un moment donné. Vous voyez que même la mesure de répression préconisée, elle disait que les gens iraient en prison pendant 3 mois. Ben, ils allaient être entrés et ils allaient être sortis et retrouver encore le Covid qui allait continuer. Donc, moi, je pense que les mesures ont été prises. Et je voudrais même dire, je ne sais pas si j'ai le droit de commenter l'interview du ministre Mbargangele. Mais comme vous m'avez invité, vous savez que je suis comme ça, je dis un peu ce qui peut faire partie du bon sens. Contrairement à ce qu'il dit, moi, je crois que la police exécute bien la coercition. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Petit Pays,
Mais vous savez que le gouverneur a signé que le concert de petits pays ne peut pas avoir lieu il y a 3 jours. Tout à fait. Vous avez bien... Et je crois que lorsque le gouverneur écrit, il écrit que les diverses forces qui doivent faire que ce soit appliqué, qu'elles entrent en scène. Comment il peut dire que... Et je crois qu'avant-hier... Bon, son interview, c'était avant aussi. Avant-hier, vous avez également vu... C'était avant ces mesures. Que le préfet d'Ufundi, il a interdit les funérailles. Il a souhaité que les gens n'organisent plus des funérailles. Mais qui va aider à mettre ça en œuvre, donc, moi, je pense que beaucoup de choses se font. Ce n'est pas parce que le Covid continue. Le Covid continue parce que c'est une force qui va. Et je pense qu'il y a des fautes graves de communication, des fautes d'appréciation, et je continue de le dire. Et je pense que la solution n'est pas toujours une certaine forme de répression. Nana Payon, que j'apprécie beaucoup, disait que quand il sort le matin, il regarde les gens, est-ce qu'ils portent les masques ou pas. Et vous avez vu que votre reporter à Douala, justement, il tombe sous le coup. Elle est, Loulouga, elle est tombée sous le coup d'une sorte, elle titre Douala rebelle. Mais la rébellion, on n'est plus dans le domaine de la maladie, là. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas obtempéré pour mettre les masques qu'on va utiliser des termes aussi graves. Donc la quantité de mise à l'ordre des gens qui peut être faite, je pense qu'elle est faite. Maintenant, je crois que la communication peut constater ce que l'homme camerounais a pu faire comme effort pour s'approprier par rapport aux messages qui sont faits. Il disait qu'il voit les gens ne pas porter les masques. Moi, je vois aussi des gens qui portent les masques. Et ce que je vois surtout, c'est le design des masques qui a évolué. Je crois que on devrait constater que les masques en tissu pagne, je ne sais pas si c'est vrai que ça étouffait plus ou ça étouffait moins, mais j'ai l'impression que, ne serait-ce que parce qu'on contraint, dites que la coercition n'existe pas, pour entrer dans certaines administrations, vous entrez... C'est qu'on aimerait quand même que ce soit plus donc, généralisé. Je veux dire, je veux conclure justement en disant que le type de masque que mon éminent voisin a là, c'est ça que vous voyez les gens porter. Et ils portent ça plus longtemps dans la journée. Et je crois qu'en communication, il faut apprendre à diagnostiquer l'effort que les gens font. Et au lieu de les violenter, il faut entrer dans la vague. C'est-à-dire faciliter qu'ils portent ce qu'ils ont tendance à accepter de porter. C'est plus facile. Alors, oui, professeur Sobouy, vous êtes vraiment en amont. Oui, je voudrais que l'on se dise certaines choses de façon claire. Par rapport à coercition, pas coercition, il y a une constante. Aujourd'hui, le nombre de cas augmente de façon exponentielle. Nous avons en une semaine ce que nous avions lors du pic de 2020 en 3 à 4 semaines. Ça, c'est une chose. En valeur absolue, le nombre de cas sévères augmente. C'est-à-dire qu'en valeur absolue aussi, le nombre de places de réanimation diminue. Les réanimations vont être mises à mal. Quatrièmement, plus de gens meurent en 3 mois. Nous avons autant de décès qu'en 10 mois. Face à ces 4 constantes extrêmement claires, qu'est-ce que nous choisissons de faire? Est-ce que le gouverneur a une réponse à ça? Moi, je dirais que il faudrait sans doute manier la carotte et le bâton, mais l'autorité administrative doit savoir adapter les consignes ou les directives ou les instructions de la hiérarchie au contexte local. Et quand bien même on aurait demandé aux gens, aux autorités administratives, de faire punir les gens, de les faire sanctionner, de les faire... Cette autorité, dans son milieu, peut ne pas sanctionner et changer de fusil d'épaule et obtenir le résultat qu'on recherche. Nous parlons des mesures barrières. Parmi les mesures barrières, on parle de laver les mains avec de l'eau, et on précise même de l'eau coulante. Ça, c'est là où l'eau peut être disponible et elle peut couler.
Il y a des endroits dans ce pays où il n'y a pas de l'eau. Alors, si la consigne est de faire laver les mains à tout le monde, l'autorité administrative qui doit implémenter cela dans son unité va donc constater que nous, nous n'avons pas l'eau, nous avons plutôt besoin de gel. L'autorité administrative doit éviter de faire un discours et d'avoir des actions à poser qui contredisent le discours. Comme on observe un peu dans l'espace public en ce moment. Hein. On demande, le discours officiel, c'est de vivre ensemble. Ça veut dire que les gens vivaient d'abord côte à côte, maintenant on leur demande de vivre ensemble. Les mesures barrières qui consistent à imposer la distanciation viennent contredire le vivre ensemble, puisqu'on demande aux gens de se distancer, etc., etc. Mais l'autorité administrative doit comprendre que, comme il y a le discours du vivre ensemble, et maintenant il y a la distanciation, il faudrait qu'ils mettent la distanciation dans le vivre ensemble et arriver à faire... Trouver une alchimie. Oui, oui. Or, il y a certaines unités où les gens, les autorités administratives ont à gérer des camps de réfugiés, des camps de déplacés, des camps de réinsérer, des et camps même de mobiliser, et les prisons. Alors, comment faire pour que cette distanciation soit effective? Moi, je crois donc qu'on peut sanctionner, mais il faudrait adapter, parce qu'il y a des unités où la chicotte peut marcher. Mais il y a des endroits où la chicotte peut plutôt faire obtenir le résultat contraire. Donc, vous n'excluez pas totalement le bâton. Il faut manier la carotte et le bâton en fonction de l'environnement. Vous disiez tout à l'heure que vous avez lu mon livre. Je disais que dans toutes les unités où je suis passé, moi, je n'ai pas fait de la répression. Et j'ai eu la conviction que changer de stratégie n'est pas une faiblesse pour une autorité administrative. Quand vous pensez que je dois demander plutôt à faire ceci ou à faire cela, alors qu'on m'avait demandé de faire ceci. Si c'est le résultat qu'on cherche, qu'on me juge plutôt au résultat et non pas les moyens. Pas les moyens. Alors, professeur Daniel Anisenois, je voudrais vous remercier d'être venu. On va passer au dernier tableau. Sur la quête de solutions globales, on se rend compte qu'il n'y a pas de one best way, comme disait Taylor, chacun se cherche un tout petit peu à travers le pays. Vous allez céder votre siège au docteur Mengene qui va revenir pour le dernier panel. Mais avant de partir, je vous propose de suivre, on va essayer d'entrer en liaison avec, on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, avec El Hadj Modibo Hammam Toukour, imam de la mosquée de Palar, c'est à Marwa. On essaie, oui, il est en ligne, il nous regarde. Alors je voudrais demander à l'imam ce qu'il dit concrètement à ses fidèles, dans ce cadre que constitue la mosquée où passent en journée plusieurs fidèles et c'est autant de personnes qu'il faut pouvoir sensibiliser au danger du Covid-19. Si vous m'entendez, El Hadj Modibo Hammam Toukour depuis Palar 2 à Marwa. Oui, l'avènement du mois de Ramadan va certainement nous aider à intensifier les sensibilisations, puisque nous avons des prières qui seront ajoutées par rapport à celles que nous avons, au lieu de faire peut-être les cinq prières quotidiennes, il y a une autre prière surérogatoire qui est vivement recommandée à faire dans les mosquées. Donc, avant d'entamer ces prières, il y a une séance de prédication qui est prévue dans toutes les mosquées, et dans cette séance de prédication, on profite pour sensibiliser les gens à respecter la limitation de fidèles dans la mosquée. C'est ce que les gens ont tendance à ne pas respecter, parce que chacun se dit que la mosquée, c'est pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi X va me priver d'entrer dans la mosquée, ou alors que la mosquée, étant très vaste, ne doit pas contenir tout le monde. Donc ça,
la séance de la prédication pré-prière va nous aider à passer ce message-là. Et Dieu merci, comme les gens fréquentent la mosquée ou bien les mosquées dans le mois, ça trouve sa place, la sensibilisation trouve sa place. C'est une bonne fenêtre d'opportunité qui s'ouvre avec ce mois du jeûne de Ramadan qui va s'ouvrir le 13 avril, c'est ça, monsieur le gouverneur ? 12-13 avril. Et quel est le message que vous allez porter, véritablement véhiculer pendant cette période cruciale de jeûne et de prière ? Oui, il est un peu toujours difficile de convaincre tout le monde. Mais pour nous, musulmans, il suffit seulement de voir l'exemple du royaume d'Arabie Saoudite pour savoir et confirmer que cette maladie est une réalité. L'année passée, le grand pèlerinage n'a pas eu lieu. Cela est dû à quoi? Il y a les gens qui sont nés même il y a 100 ans n'ont jamais vu ça. Jamais de la vie, ils ont entendu que le pèlerinage était suspendu. Mais l'année dernière, ça s'est passé. Le pèlerinage n'a pas eu lieu. Et pour ceux qui ont les écrans de télévision, ils peuvent voir comment, dans les lieux saints, les grands imams, les grands docteurs, ceux-là qui sont censés et même être les responsables ou bien les incarnations même de la religion, respectent les mesures barrières. Donc, ici, chez nous, il ne faut pas avoir des confusions dans la tête pour dire que, voilà, dans les centres commerciaux, on ne respecte pas. Pourquoi dans les mosquées, il y a des gens qui veulent nous interdire de prier? Non, jamais. Jamais. Personne dans le monde entier nous a interdit de prier, nous musulmans. Chacun respecte sa religion, surtout dans notre pays, le pays des droits, où les droits du culte est donné à tout le monde. Donc, ça, il faut balayer ces équivoques-là dans sa tête, que le Covid-19 est une réalité. Et se protéger, non seulement est un devoir, mais est un acte religieux. Merci de nous regarder de Maroua. Merci à l'imam Modibo Aman tout court, et imam de la mosquée de Palard 2, et toutes nos salutations à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent depuis Maroua et plus largement depuis la région de l'extrême nord qui nous est chère au cœur et à vous et à moi-même. On se comprend très bien. Et je vous invite à ce dernier tableau consacré donc aux politiques publiques dans la gestion du Covid. On parlait du Cameroun tantôt. Professeur Batchom, on peut ouvrir davantage notre horizon et on se rend compte que nulle part, finalement, il n'y a de solution magique. Alors, nulle part, il y a de solution magique. Donnez-moi juste une minute pour dire à mon collègue, je suis tout à fait d'accord avec vos chers collègues. Dans le dilemme répression, sensibilisation, je comprends votre cri du cœur. Dans le corps médical, vous avez tous les jours des expériences, mais le gouvernement est dans une autre situation où il doit gérer plusieurs autres domaines en même temps. Une chose qu'on peut faire du point de vue répressif, par exemple, c'est ôter la parole déjà à cette deus ex machina sanitaire qui pilule sur les plateaux de télévision disant que non, la Covid est finie, on peut soigner avec toutes les formules. C'est une chose. Et d'ailleurs, le MINAT, à ce sujet, est en train de faire quelque chose dans ce sens. Maintenant, la difficulté de la réussite de cette politique publique, si tant est que ça en est une seule, c'est précisément, à mon sens, la rupture qu'il y a entre l'État, les perspectives de l'État et la réception par les populations qui sont les bénéficiaires de cette politique publique. Nous avons parlé ici à profusion de ces gens, nous autres, qui ne respectons pas les mesures barrières. Alors, quelle que soit la technologie que l'État va mettre en place du point de vue des politiques publiques, si nous qui sommes les bénéficiaires, dont les cibles, nous ne respectons pas les mesures, si nous ne faisons pas ce qui est convenu de faire, ça risque de ne pas avoir d'impact. Et ça, c'est le reflet au plan national de quelque chose qui s'est passé au début de la crise au plan mondial. Vous avez bien observé que l'OMS, en tant qu'institution internationale censée coordonner cette lutte, a eu de la peine à se faire entendre au départ. Pour des raisons que vous savez, on lui reprochait beaucoup de choses et l'accusait de beaucoup d'autres. Mais ça fait qu'en fait, il n'y a pas eu une politique mondiale qui devait être donc reçue par les États, comme il y en a du point de vue de la tuberculose, du sida. Et c'est maintenant qu'on commence à avoir
un son audible de ce côté-là. Conséquence donc, les États qui sont censés assurer la sécurité sanitaire de leur population y allaient chacun de son latin et de sa technologie. Et donc, du coup, on oscillait entre l'allocation autoritaire des questions de sécurité, étant donné que le virus ne prend pas de visa pour passer d'une frontière à une autre. Et je pourrais même dire que si, par anticipation, les vaccinations ne sont pas faites dans tous les États du monde, il n'y aura pas d'efficacité. Parce que, comme vous le savez, il y aura l'effet de circularité. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, pour me résumer... D'où l'initiative COVAX pour aider notamment les pays pauvres comme les nôtres à accéder à la vaccination. Oui, mais ça emporte aussi des éléments de géopolitique, de puissance. Parce que, en fait, celui qui vous donne le vaccin, quel vaccin on vous donne, qu'est-ce qu'on demande en retour, ça, c'est une autre affaire. Je pense que, pour l'instant, la réussite de cette politique publique-là, ou bien de ces modalités de politique publique, passe par la réceptivité par les bénéficiaires. D'où encore la question de la sensibilisation. Tout ce qu'on va faire au point de vue du ministère de la Santé, si les populations n'ont pas compris le bien fondé, il y a des messages de défiance, il y a des faux messages sur ci ou ça, il faut que la population soit réceptive et intègre que c'est une mesure pour sa sécurité sanitaire. Sinon, on aura beaucoup de dialogue, de discours à faire encore. Alors, il y a votre collègue qui nous regarde depuis la ville de Pont-Sainte-Marsan, c'est dans l'Oise, c'est dans la périphérie de l'Île-de-France. Professeur Alfred Ngando, j'espère que vous nous regardez. Et ce soir, la France s'est passée à une nouvelle étape avec de nouvelles mesures de freinage. Hein, comme on dit en France, on ne parle plus de confinement avec un couvre-feu annoncé par le président Macron, le calendrier scolaire bouleversé. Comment vous qualifiez cette difficulté, même là-bas, à mener de manière lisible hein, les politiques publiques contre la pandémie du Covid? Oui, monsieur Emeroubébina, on est devant une crise sanitaire internationale d'une ampleur inédite. De mémoire d'historien, il me semble que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde pris dans sa globalité n'a pas connu un phénomène quasi apocalyptique comme celui qu'on nous est en train de vivre. Oui, eh bien, c'est très difficile ici en France. Depuis un an, on remarque, bon, cette année, c'est un peu plus allégé, je vais dire, parce que la France a tiré quelque peu les leçons de quelques échecs, dû certainement au fait que le coronavirus survenu il y a un an a surpris plus d'un. Et donc, le discours du président Macron aujourd'hui était à la fois de maintenir le cap d'un certain nombre de mesures pour que, justement, pour freiner la pandémie qui se propage déjà dans toute l'Europe. Et bien entendu, de rassurer en même temps les populations qui vivent un confinement terrible. Je suis effectivement dans l'Oise, dans la périphérie de la région Île-de-France. Mais je dois dire que nous étions déjà là, dans le confinement depuis à peu près deux semaines, puisque depuis le 18 mars, il y a 19 départements qui étaient effectivement confinés. Bon, bien sûr que c'est relativement plus souple que l'année dernière, comme je disais tout à l'heure, parce que l'année dernière, eh bien, on n'avait même pas cette possibilité de faire 10 km. Là, cette année, on a cette possibilité. On a la possibilité, n'est-ce pas, de vaquer nombre d'occupations dans la journée, eh bien, à partir de 19h, il y a un couvre-feu. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'on n'a pas une visibilité sur l'avenir, sur la fin de cette pandémie, mais on procède par petites touches, en hésitant, on avance parce qu'effectivement, c'est un virus, n'est-ce pas, malin. Donc, je pense que les politiques, aujourd'hui en France particulièrement, n'ont pas une véritable maîtrise de ce qui va se passer, mais essayent tant bien que mal, n'est-ce pas, de s'adapter, n'est-ce pas, à ce virus qui se propage dans toute l'Europe. Merci, merci, professeur Alfred Ngando. On aurait souhaité vous poser d'autres questions. Malheureusement, l'horloge tourne ici à grande vitesse et nous aurons l'occasion de vous solliciter pour d'autres émissions, que ce soit sur le Covid-19 ou ce soit dans d'autres champs que vous maîtrisez parfaitement. Faites bien attention à vous et à votre famille là-bas en France. Merci bien, merci. Bonne soirée à vous. Merci bien. Alors, on va faire un dernier tour de table en revenant à une préoccupation purement locale. Le cas Orca, comme va sous-titrer notre réalisateur,
Docteur Mengene, l'opinion, notamment yaoundéenne, s'est construite aujourd'hui une image sur Orca comme un mouroir, au point où certains malades, lorsqu'on veut les référer là-bas, fuient comme on fuirait la peste, encore que peut-être que la peste serait préférable aujourd'hui au Covid, parce qu'on a construit, à tort d'ailleurs, Orca comme un mouroir. C'est quoi le problème? Bon, merci beaucoup. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez des personnes qui sont diabétiques hypertendues, qui ne suivent pas les mesures hygiéno-diététiques préconisées. À un moment, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura un nombre important de personnes qui va décompenser. Et forcément, ce nombre important risque de se retrouver dans des formations sanitaires. Et ces formations sanitaires risquent d'être débordées parce qu'elles ne sont pas prêtes à accueillir ce grand nombre. Et on va incriminer qui ? Les formations sanitaires. Alors que ce n'est pas ça la réelle problématique. Si ces personnes-là avaient observé les mesures hygiéno-diététiques, elles ne se retrouveraient pas dans cette situation. Donc, Orca, aujourd'hui, Orca est débordée parce que l'affluence, c'est dans tous les sens. Et Orca est débordée parce que la population n'observe donc pas ces mesures barrières. Donc nous pensons que l'une des solutions d'Orca, c'est d'abord que les populations elles-mêmes soient observantes. Et comme le professeur Batchom n'est pas un chantre de la répression, et donc il y a ce hiatus-là, les populations n'observent donc pas les mesures barrières, il y a plus de malades, Orca est donc débordé, il y a le burn-out du personnel médico-sanitaire, mais on est dans un trou noir. Non. Dans un cercle vicieux. Il y a quand même des solutions, parce qu'en santé mentale, le comportement de l'individu est conditionné par sa pensée. La pensée va entraîner une certaine émotion, va entraîner un comportement. Et maintenant, ce qui se passe, et je suis obligée aussi de revenir depuis le début sur la communication. La communication sur le plan médiatique est paradoxale, ça va dans tous les sens. Donc, au niveau de la pensée des individus, ils sont perturbés. Par conséquent, le comportement, ça va aussi aller dans tous les sens. Ça, c'est le comportement. Et maintenant, sur le plan opérationnel, nous pensons que c'est très important qu'on introduise, comme avec le VIH, le counseling, c'est-à-dire avant le prélèvement, qu'il y ait cet espace d'échange, parce qu'il y a toujours ce problème de communication. C'est une maladie avec laquelle on doit pouvoir vivre et vivre sereinement. Et c'est très important. Nous pensons que le VIH a marché parce qu'il y a eu cet espace-là où on donne la bonne information, les différentes orientations. Si c'est positif, vous allez à tel endroit. Si c'est négatif, vous allez à tel endroit. Et sachez que dans notre contexte, les personnes sont aussi asymptomatiques, donc peuvent être comme vous, comme moi. Comme ça, on n'aura pas des cas de déni après et autres. Mais tant que ça se passe, comme ça se passe, c'est des prélèvements tous azimuts, sans communiquer avec les individus, sans leur donner la bonne information, sans leur permettre d'échanger sur leurs perceptions, leurs préoccupations. Nous pensons que... Alors, professeur Sobgui, vous siégez au comité scientifique, est-ce qu'on n'a pas fermé un peu trop tôt les autres unités? Au point où quand même aujourd'hui il y a une grosse pression sur Orca. Est-ce qu'il n'est pas temps de donner de l'air à Orca? Je vais dire les choses différemment. Je pense qu'il est temps de rentrer dans Orca phase 2. De quoi est-ce que je voudrais parler? Rapidement, il nous reste 5 minutes exactement. Voilà, justement, ce sera rapide. La spécificité des centres spécialisés de prise en charge est qu'ils ont été construits autour de la maladie. On ne peut pas construire autour de la maladie pendant de très longs mois. On construit autour de la maladie si c'est une crise qui passe vite. Or, là, nous sommes inscrits dans la durée. Il faut à nouveau construire autour de l'individu. Et le lieu qui est construit autour de l'individu, c'est l'hôpital. Ça, c'est des annexes qui sont spécialisées pour la maladie. Et donc, Orca phase 2, qui marcherait, serait vraiment un lieu de transit pour des personnes qui auraient besoin d'un isolement particulier. Par contre, les hôpitaux conventionnels devraient, au fil du temps, développer des points d'isolement
pour que ce soit la méningite, que ce soit Covid, que ce soit le choléra, que ce soit la tuberculose. Pour donc décongestionner Orca. L'idée n'est pas Orca-centrique. L'idée est c'est le cas en ce moment. Individu-centrique. Et justement, c'est pour ça que je parle de Orca phase 2, où l'approche de Covid serait centrée sur l'individu et non pas sur la maladie. Et ça permettra justement à Orca de faire exactement ce qu'on lui a demandé de faire, en permettant que les personnes continuent de bénéficier d'une prise en charge intégrale dans les milieux hospitaliers. Parce que ne nous y trompons pas, aujourd'hui, vous mettez dans un lit de diabétologie un patient pour une décompensation du diabète, agit au deuxième jour, vous faites un test Covid, vous trouvez qu'il est positif. Pareil, vous venez, une femme qui vient accoucher, lorsqu'on lui fait le test au préalable, il y en a qu'on trouve positif. Donc, on va de plus en plus avoir de la médecine tout à fait ordinaire qui va coexister avec la notion de présence du virus de Covid. Donc, le bien fondé d'un ORCA qui prendrait tous les cas de Covid s'en trouverait mis à rude épreuve. Donc, il faudra passer à ORCA phase 2. C'est entendu, professeur. Voilà. On va permettre au professeur Paul Ekbatiom de conclure très rapidement. Mon collègue me retrouve donc. Parce que justement, ce que je n'ai pas voulu dire, le temps me le permettait pas, c'est qu'il y a eu un problème de conception originelle. On a envisagé la lutte contre le Covid comme une lutte qu'on pensait à court terme. Peut-être que cela a empêché de penser les structures de durabilité. Aujourd'hui, vous voyez, dans les pays comme la France, on a formé des gens spécialisés, on a développé les lits de réanimation, on a développé les hôpitaux. Dans cette perspective, Orca serait donc un transit vers d'autres centres. Ça suppose beaucoup de moyens pour construire des hôpitaux spécialisés, pour former le personnel qu'il faut. C'est pour cela que je dis que l'État est certainement, a certainement ce panel de solutions, mais comme il y a beaucoup de problématiques à adresser au même moment, on ne peut donc pas, en même temps, être dans la répression alors qu'on n'a pas les mesures d'accompagnement multisectorielles. Voilà. Monsieur le gouverneur, pour conclure. Alors, je demanderai aux autorités de redonner confiance aux populations et d'amener les populations à comprendre qu'elles doivent être, elles doivent faire partie de la solution et non du problème. Dès qu'elles auront compris qu'elles doivent être de la solution, elles doivent être de la solution, parce que tout cela se fait pour cette population-là, tout sera gagné. Mais si, évidemment, elles se considèrent comme le problème, ça va être très difficile. Alors, docteur Mengene, pour ceux qui sont encore dans le déni, ils ont les premiers symptômes, ils disent que c'est le palu, c'est le paludisme, ils freinent des cas de fer pour aller faire le test de Covid-19. Qu'est-ce que vous leur dites? Cette maladie du déni? Simplement qu'il faut être réaliste et que toute maladie, toute problématique de santé nécessite des mesures, un certain mode de fonctionnement. Donc, de ne pas avoir peur. C'est une réalité, et une réalité avec laquelle il va falloir vivre sereinement, parce que c'est possible. Ce n'est pas la seule pandémie que le monde a connue. On a connu C'est plus facile à dire qu'à vivre. Hein. Non, mais c'est la réalité. Alors, professeur Sobgui, on va quand même sortir, enfin, je ne voulais pas dire une eau d'espoir, mais l'heure est grave, mais est-ce que quand même, quand vous faites de la modélisation, on peut projeter à quel moment on va atteindre le pic de cette deuxième vague pour qu'on envisage une décrue? Parce que c'est très difficile en ce moment, autour de nous, on perd des amis, des parents. On se demande demain à qui sera le tour. C'est très, très, très anxiogène. On ne peut pas continuer ici pendant longtemps quand même. Alors, il y a un des panélistes qui nous a invités à relire La peste de Camus. Nous espérons que, comme dans La peste de Camus, un matin, on va se lever et puis il n'y aura plus des morts à gauche, des morts à droite. Bref, je ne vais pas faire le simpliste. Mais il est clair que nous avons besoin de faire un effort complémentaire et ces efforts entraîneront les solutions attendues. Il faut, comme l'a dit le gouverneur, que nous soyons partie de la solution, c'est-à-dire que je mets le masque pour protéger l'autre. La question n'est pas forcément moi, je mets le masque pour les protéger parce que je pourrais être contagieux, ça fait partie des choses que nous apprendrons à faire pour que la situation soit différente. Je voudrais aussi dire une autre chose.
La dernière. Que, oui, voilà, la dernière. Et c'est répété. Le nombre de cas augmente, les cas sévères augmentent, les décès augmentent. Il va falloir que l'on prenne cela en compte et que l'on s'impose une discipline complémentaire. Sinon, il n'y aura pas d'autre choix que d'opter pour ce qui reste comme mesure dans la panoplie de ce qui peut être fait, le confinement. Que Dieu nous en préserve. Nous n'en avons ni les moyens, ni les possibilités. Donc, une fois de plus, appel au respect des mesures barrières. Merci, madame. Merci, messieurs, d'être venus. Je voudrais remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés éveillés pour nous suivre pendant presque 3 heures d'horloge. Il est presque minuit, moins de 2 minutes. Nous allons rendre l'antenne au studio 5 pour le minuit. Merci d'être restés sur la CIRC TV. Alors, messieurs et dames, nous mettons nos masques. Bonsoir et bonne nuit. Oh,